Et bonsoir! Comment allez-vous? Petite intro de stream en reggae! Pour changer un peu de d'habitude, c'est incroyable! C'était incroyable! Du coup, moi qui n'aimais pas trop d'Anakil, eh ben j'ai bien kiffé! Hop, on repasse sur la playlist habituelle quand même. Je baisse le son. Un petit ghost, parce qu'il faut pas déconner. Et ben, j'ai bien kiffé. Alors, déjà, concert reggae, moi qui fais tout le temps des concerts de métal, machin et tout. Déjà, un petit concert reggae, ben, ça fait du bien. C'est trop cool, c'est chill. Il y avait énormément de monde, c'était full, le Zénith de Lille, c'était incroyable, je m'attendais pas du tout. Dubbing quoi. Moi, ça fait longtemps que j'écoute Dubbing, je kiffe de fou. C'est la première fois que je peux les voir et incroyable. Bon, entre temps, j'ai ma fille qui était pas très bien, elle a fait un petit malaise. Elle s'est sentie pas bien. Du coup, on est allé à l'infirmerie à la fin du concert de Danakil. Et après, on a fini dans les tribunes. Et en fait, du coup, on a eu une super vue, c'était cool. Et la fosse était bien chargée, puis ça fumait les joints de partout et tout. La fumée et tout, c'était. C'était un peu compliqué en fosse. Et du coup, on s'est mis dans les tribunes et très cool. Et du coup, bah, Dubbing, hein, avec toute leur énergie sur scène, truc de fou. Et Danakil, très 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 sympa. Du coup, j'écoute ça depuis cet après-midi là. C'est hyper chill les concerts. Ouais, non, mais c'est fou, hein. C'est pas du tout la même ambiance. En plus, on s'était mis au fond de la fosse au départ, tranquillou, pour être proche des bars et des toilettes. Mais alors, les bars, ils étaient surchargés. Pour prendre une bière, il fallait 10 ans et tout, c'était une horreur. Et ouais, c'est juste qu'on a resté debout longtemps, elle avait pas mangé, c'était. Mais non, tranquille. Et ouais, Danakil, c'est très cool. Ouais, mais j'avais pas trop aimé quand j'avais écouté sur Spotify. Et là, en concert, j'ai bien kiffé. Du coup, je réécoute là un peu depuis tout à l'heure. Bah, les chansons que je vous ai mis en intro là. Et cool, j'aime bien. Non, c'était vraiment bien. Ah oui, il me dit appelle-moi quoi? Comment ça? Appelle-moi. Et c'est vrai que j'ai mis Ghost. Là, je m'attendais sur le Discord, j'ai trouvé une pédale de guitare pour toi. Ouais, je l'ai vu, Bougrinet, j'ai vu. Les Romains, je devant les concerts. Non, mais là, c'était dans la salle. Il y a un mec, dès que. Alors, tu sentais qu'il était. C'était un grand fan de Danakil. Et Danakil est arrivé sur scène, le mec il a sorti un truc de sa poche. Alors là la taille du joint, et je pense que le joint il a fait tout le concert. Il a fait les 1 heure de Danakil en fait. Et nous on était juste à côté. Donc on en bouffait autant que lui quoi. Après s'il y en avait qu'un ça irait, mais les mecs qui passaient, ça sentait la weed tout le temps et tout. Et en fait ma fille elle a une infection pulmonaire. Donc un peu compliqué quoi, du coup on restait au fond et tout, puis au bout d'un moment on est parti. Mais en vrai, bon plan de voir Dubbing en tribune parce que le Zénith de Lille est pas très grand, donc on est assez près de la scène et on voyait tout super bien. On était en plein milieu, nickel. Mais la pêche qu'ils ont sur scène, c'est incroyable. Merci Ultima, 6e mois et Aldrex, 14e mois, merci beaucoup. On va mettre à jour 70-30 d'ailleurs parce qu'on s'était arrêté il y a longtemps. Quand est-ce qu'on. On s'est pas vu hier. On s'est arrêté. On s'est arrêté vendredi là. On s'est arrêté vendredi à 184. Alors ce qui me fait toujours rire, c'est que quand je stream pas, je prends des points aussi. Les gens ils reçoivent, c'est incroyable. On est à. Je sais plus. Alors ça avance un train. Et oui, 209 points. 25 points. Merci à tous ceux. Après, je crois que c'est les abonnements de plusieurs mois, ça doit faire des points même quand je stream pas. Et bien merci à tous ceux qui ont fait des points. 209 points. .150 et merci à Killer. Oh, le T3. 11e mois de T3, merci énormément. Et Tacticolor, merci 8e mois de T1. Et Twitch. Et Killer, un nouveau sub. Eh bien, bienvenue à toi, merci beaucoup. Merci énormément. Ça fait décoller le compteur. Et Manu a fait un barbecue dans un quartier tranquillement. De quoi tu parles? Ça hier. Ah oui, hier.
Mais oui, on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé. Le Boeing. En plus, il n'y avait aucune POV. Il n'y avait aucune POV parce que personne n'était en stream. On était juste là pour filer un coup de main. La Cocopette, merci de ton 15e mois. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on fait notre dernier trajet hier. Ouais, c'était hier. Hein. On fait notre dernier trajet, on décolle de la montagne avec le streamer. Le vol se passe bien et tout. Roger, sécurité, on stationnaire, pas trop et tout. Et là, qu'est-ce que je vois arriver devant moi? Qu'est-ce que je vois pas? Un Boeing. Le petit Boeing, impossible à éviter. Eh ben, ça fait une belle scène pour les EMS et les pompiers, je crois. Parce qu'on atterrit dans le quartier de la Neo-Triada. Nous, on voyait la pop-up. Vous êtes en train d'attaquer le quartier. Je pense que c'est pour ça aussi que la Neo-Triada, ils paniquaient. On voyait, vous êtes en train d'attaquer le quartier. On était trois dans leur quartier, du coup. On avait les calls radio alors que l'avion était cramé. C'était pas mal, c'était rigolo. Draco et Evan, ils arrivent pas à sortir de l'avion, ils ont fini je sais pas où, je sais pas comment. Moi je n'ai juste aidé vite fait et tout, j'avais pas trop le temps. Ah bah d'accord. En fait là ça fait une scène ultra cool je pense, hein. EMS, pompier, flic. L'avion a été rendu par l'assurance. Hein. Ouais, au début, il y avait le quartier sécurisé reste pas là, et après, ça mettait, vous êtes trois qui a attaqué le quartier. Parce que je pense que les Neo-Triada, ils sont sortis de leur quartier pour venir vers nous, et nous, on était dans leur zone, et pas eux. Ici, là, ça n'a pas fait baisser de l'XP. Mais l'avion était impossible à éviter, hein. Je pouvais rien faire, en fait. Je l'ai apparu au dernier moment. Et comme souvent avec Evan, on a des problèmes de désynchro et tout, je pense que c'est ça. Je sais pas si t'avais vu... J'ai un POV de Célite tout à l'heure, ce qui s'est passé au Bénise. Ah voilà. Là, je crois qu'on est un petit peu solo. Tiens, je voulais ranger mon cran d'arrêt. On n'aura pas d'échange avec Swan ce soir. La joueuse est encore bien malade, apparemment. On a parlé un petit peu cet après-midi. Bon, il n'y a rien de spécial pour vous, même hier. Juste en gros, je lui dis d'aller se coucher, machin et tout. Bon, tout à l'heure, il me dit ouais, je suis malade, machin et tout. Sur la fin, là, juste avant la tempête, je prends la voiture pour aller faire un tour. Je croise une dépanneuse de zombies avec quelqu'un avec des cheveux blancs et très longs dedans. Je lui dis ah, ça bosse encore. Il me fait comment ça, c'est pas moi. C'était pas moi, t'as dû avoir une hallucination. Je me dis, je pensais pas que t'avais une collègue qui avait une grande chevelure blanche. Je dois filer, là, j'ai une vidéo. Et t'es sûr que t'es une chevelure hein? Ah, ouais. Et du coup, la soirée, elle est pas là. Donc voilà, on n'a pas trop échangé depuis, et puis voilà, on a mis en place la course au sac cet après-midi. Oh, mais ça arrête pas là, ça fait péter le train. Coralie, merci pour ton 7ème mois, et Darkness, encore un nouveau sub, enfin bienvenue à toi. Deuxième nouveau sub ce soir, c'est pas ça que je voulais. On va poser ça, on va prendre ça, je pense qu'on va aller dealer un peu de dope. Donc voilà, cet après on a préparé la course au sac et vous verrez bien, mais dans la semaine je pense qu'on va faire bouger 2-3 trucs parce que j'aimerais bien qu'il y ait des choses qui bougent un peu et que ça change. Et ça vous verrez au fur et à mesure de RP et on essaie aussi d'envisager une banque. On a pas mal de trucs de prévu en vrai. On a pas mal de trucs de prévu. Adrenaline, merci de ton 11e mois. J'ai 39 de fièvre depuis 2 jours. Hein. Oh la vache, faut se reposer. C'est la période en ce moment. Moi j'ai été malade il y a une semaine et là depuis hier je recommence à avoir des trucs. Et puis avec le concert et tout. Un gros mal de gorge hier soir, mais je me suis dit bon, c'est la fumée et tout. Sauf que ce matin ça continuait. Pim, 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 pim. Eline, merci pour ton 11e mois aussi de T1. Oh, le train niveau 4 là. 14% de niveau 5. Ben voilà. B
Bim, merci à tous pour le train, incroyable. La mano ou un mano. Non, mais la mano. Covidé ici depuis 4 jours. Ah, l'horreur. L'horreur, l'horreur. Moi, j'ai vraiment pas envie. Hein. J'ai vraiment pas... Hier, j'ai pensé hein, pendant le concert. Parce qu'à chaque concert, je chope des merdes, de toute façon. Hier, j'ai pensé. Hein. Terminé, merci pour ton 7e mois. Donc non, pas magasin de churros. Par contre, je pense qu'il y a des choses qui doivent bouger. Donc on va remettre en question 2-3 trucs. On va remettre en question l'aspect pillard. On va remettre en question plein de trucs. On va voir. Là, je pense qu'on va avoir une semaine bien chargée. On verra si on récupère Miguel ou pas. Mais... on fasse avancer des choses. Faut vraiment qu'on prenne des places en plus. Je veux vraiment prendre les 9 places dans ce salon. Ouais. Hop, on a l'air d'être solo. Pompier est vraiment une super nouveauté, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est incroyable. On va aller vendre de la dope le temps que les gens se lèvent. Et je sais pas encore ce qu'on va faire ce soir. Elles sont pas bleues là. Hop, je sais pas pourquoi ça arrête pas de sauter ce truc là. Et tout, merci pour ton 3e mois de Prime. De la drogue hein. De nuit c'est là-bas hein. Des prospects prévus bientôt. Je. J'en ai parlé vite fait avec le personnage de Jade tout à l'heure. Il faut qu'on commence à se poser la question. Il faut que. Il faut qu'on discute aussi avec Miguel à distance. Il va falloir qu'on prenne une décision, ouais.
Attendez, ça reboot à quelle heure le truc? On est bon là? Oui, parce que je suis retourné super tard sur le truc. Il y avait les flics là-bas et tout. Un seul sachet? En vrai, je sais pas depuis combien de temps son prospect. Bon, après, je veux dire, le temps qu'ils sont prospects, moi je m'en bats un peu les reins. Hein. C'est on les passe quand on a envie de les passer. Hein. Alan a déjà des avis. Il attend de voir encore. J'ai forcément un avis. J'ai forcément un avis, mais c'est compliqué. Ça fait longtemps qu'il est prospère. Bah, les deux sont passés prospères en même temps de toute façon. Donc, bon, après dans la réalité, dans leur jeu, ça leur change pas grand chose d'être prospère ou pas prospère. Après, vous imaginez bien que la situation est un peu spéciale, Miguel n'est pas là. Tout peut pas aller aussi vite. Même si là, depuis le temps que Miguel est pas là, forcément je vais devoir... sur la partie prospect par exemple, je vais devoir prendre la décision certainement avant qu'il revienne. C'est pour ça que j'ai commencé à en parler tout à l'heure à Jade. On a eu le temps de réfléchir. Et je vais dire la même chose aux autres. C'est pas parce que c'était Jade, c'est parce que c'est la seule qui était là d'ailleurs. Et s'il faut prendre la décision avant que Miguel revienne, on le fera. C'est pas un problème. Même si d'ailleurs il y a une balle à mettre, ça changera rien du tout. Non, j'ai payé toutes les semaines ou pas. Ouais, mais au final, quand ils sont en négatif, on les remonte. Donc, c'est juste qu'ils peuvent pas s'acheter de trucs perso et on leur file des voitures. Donc, En vrai, la paye. Je me demande si. En fait, la paye, elle est plus là pour que les joueurs aient de la thune et puissent se faire leur achat. Mais en vrai. Pas remplir une banque, vous ? En vrai, la paye, ça pourrait être full en question, et puis je rachète leur truc quand ils veulent, ce serait pas plus mal. Merci Liada, et merci pour ton 6e mois. Je veux vendre de la drogue là où il n'y a vraiment personne pour la drogue. On est plus en train de discuter que de vendre de la drogue, je crois. De toute façon, là, on est en communication avec Google. Ben, quasiment pas. En fait, sur le. Sur ce qui se passe en RP, pas du tout. Enfin, j'ai déjà dit plein de fois, hein, mais je suis plus souvent numéro 1 intérim que numéro 2, donc. J'ai l'habitude, en fait, simplement. Hein. J'ai l'habitude. Tu sais quand Miguel revient, genre, ça va du tout.
pense rien du tout. Et peu importe. Attendez, hop, je me gare là 2 secondes, j'ai un truc à dire. C'est vrai, j'écoute Diabolo Negra, c'est incroyable, hein. En gros, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce que je viens de dire? Parce que de toute façon, vous allez forcément être au courant et... En gros, bon, en gros, il y a Miguel qui vient de faire un message RP. Qui dit qu'il peut pas être là pour le moment, machin, bugle. Bon, après, vous savez HRP le pourquoi. Et qui sait pas quand il va revenir, ça peut prendre un certain temps, peu importe. Et en gros, ce qu'il dit. En gros, ce qu'il dit. En gros, ce qu'il dit, c'est que la mano a besoin de se retrouver, machin et tout, et que son absence va permettre à ce que. À ce que. On puisse remettre en place une mano inégalable, machin, tout ça. Et ce qu'il dit à la fin, c'est je transfère l'autorité de la mano à Alan avec qui mon adjoint. Peu importe la décision qu'Alan prendra, ce seront les bonnes, j'ai confiance aveugle en lui. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que. S'il y en a qui sont pas d'accord avec ça, qui se sentent du ou fatigués, qui s'en aillent vite. Je vous détaille pas tout, je vous détaille pas tout parce que. Parce que vous découvrirez en RP. Et voilà. Là, je crois qu'il va falloir qu'on change le titre pour le coup. Je crois qu'on pourra mettre numéro 1 intérimaire pour de vrai là. Donc bah, ça va bien avec ça va bien avec ce que je vous disais en début de stream, c'est qu'il va falloir qu'on fasse bouger des choses.
Hop. Concernant Hannibal, la fin du message, bah vous faites les. Vous verrez en RP ce qui va se passer, qui va réagir à la fin du message. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent se sentir concernées à la mano. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que vous pensez et que chacun en tire les bonnes conclusions et puis on verra ce qui se passera. Ce sera du RP. Alors, on va faire que la modération soit attaquée. Alex, arrête chez Alex. Et non, Miguel, alors je vous dis un truc, comme ça vous, et ce sera le message de la modération. Il y a marqué dans le message. Sachez que peu importe le temps que ça prendra, je reviendrai. Voilà. Pour tenir, et dans le message, il y a marqué. Peu importe le temps que ça prendra, je reviendrai. En gros, ça change pas. Juste Miguel, il officialise la place de numéro 1 d'intérim d'Alan en disant qu'il reviendra, mais il sait pas quand. Et en soi, moi, le joueur, je pense que c'est une très bonne chose parce qu'Alec, il s'éclate comme un petit fou et il faut qu'il en profite. Enfin, je pense que vous, viewer, vous kiffez de fou de voir les pompiers. Et on y a autant qu'il en profite et la mano va se gérer sans problème. Moi, ça me laisse les cartes en main pour faire avancer les choses. De toute façon, on est plutôt en phase dans la gestion de la mano avec Miguel, donc voilà. J'arrive, je faisais ma dope. Mais en jugement, je trouve ça positif. La mano a besoin que les effectifs tournent pour avoir de nouvelles propositions de RP et avoir. Oui, on est assez d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'attachent trop à la mano. Et il faut savoir laisser sa place pour les nouveaux joueurs, en fait, simplement. Bref, on verra comment ça se règle en RP. Quand peut valider ou non les prospects, mais c'était déjà le cas avant ce message en fait. Mais oui, là ça veut, oui, là ça, on peut prendre le truc en mode, oui, c'est à moi, c'est moi qui vais les valider ou pas d'ailleurs. Mais enfin, j'aurais déjà pu le faire avant. Excusez-moi 2 secondes, je fais ma réponse.
Alors, je vous lis. Bonsoir, moi je dis bon courage à Draco qui voulait pas le rôle de numéro 2 avec Q. Moi je voulais pas non plus et on va juste s'adapter, c'est pas un problème. J'arrive, je vois Kim numéro 2, il y a de quoi être perdu. En gros, putain, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ça. C'est vrai que ça va être compliqué. Ouais, je crois qu'il faut faire un message épinglé, effectivement. José numéro 1, la numéro 2, et qui me reste sur ça. Ouais, nickel, José numéro 1, on n'est pas dans la merde. Chouette, en vrai, Alex prend du temps pour un truc qu'il kiffe et ça va créer plein de choses. Oui, non, mais c'est sûr, de toute façon, c'est ce qu'on lui avait dit avec Draco. Quand on discutait, je prends ton temps, on voyait bien, j'ai l'impression de voir un gosse à Noël. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est incroyable, en plus, la future, elle est tellement bien. D'ailleurs, en vrai, mine de rien, on a perdu l'avion hier, j'ai été content parce qu'on a refait une scène qui devait être tellement cool. Juste pour la scène. Je me prends juste une bouteille d'eau, j'arrive. Bon. On a dû passer à la planche. Hein. Je vous disais que la semaine prochaine allait être chargée, bah là encore plus. Parce que j'ai vraiment envie que ça avance pour le coup. J'ai vraiment envie que ça avance et Comment ça va? nickel. J'ai en pleine forme. Ah ouais? Bon, nickel. Et toi, t'as une petite voix, on dirait. Je suis fatigué. Ouais, t'as l'air, ouais. J'ai Dantes qui m'a appelé. Il aurait essayé d'appeler Jade aussi. Ils ont 115 kilos de cam. Combien? Ils ont 115 kilos de sacs, liasses, marchandises. Ouais, bah nickel. Tu veux qu'on s'en occupe à deux ou on attend d'être un peu plus nombreux? Combien de kilos t'as dit? 115. Ouais, Enfin, moi tu veux bon, nos on poches. y va, vas-y. Oh, ça marche pas, je te rappelle. Ouais, tu peux charger, je t'envoie une pause. Oh ouais, vas-y, bah ça marche. Vas-y, à toutes. Bon, ils sont bénis, c'est Peut-être des feux chargé. sur fou dans le désert, mais de toute façon, le message est Ils clair, hein, c'est qu'il faut viennent. que ça change, donc on gardera pas les 12 actuels, c'est sûr et certain. Ah, t'as l'air vraiment au bout de ta vie, hein. Ah ouais? Non, ça va en vrai. Ah ouais, alors c'est peut-être moi. T'as. Oui. T'as revu Madame Finch depuis, hein? T'as Non. évolué le truc ou pas? Non, du tout. Que tu me tiennes au courant, hein. Enfin, je veux pas avoir le truc perso, je m'en bats les couilles, mais tu comprends. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux savoir sur l'évolution? Bah, le Et sens c'est. que ça prend, etc. etc. quand Ok. est-ce que vous voyez et surtout, après, si elle commence à creuser les trucs comme ça, enfin, tu sais, comme je t'ai dit dans le premier message, hein. Il y a une maligne et Ouais, ça je marche, je te te tiens dirai encore quand de tu tout ça. l'auras là. Ouais, ça marche. Je te dis à chaque fois que je la vois, je te tiens encore l'évolution des choses. Après, vos trucs perso, ça part sur le perso. Bah, si, j'ai besoin de savoir si à un moment donné ça devient plus que juste. Oui, bah ça, Parce ouais, que c'est c'est. important, mais après, toi, enfin, Oui, on s'en fout. ça, c'est. Je mettais ça dans la dans l'évolution des choses, oui, bien sûr.
chatte en ébullition. Quoi. Bah go. Si c'est bon pour toi. Ouais, vas-y. Ton Camacho, il est chez Mio ou il est chez toi? J'en ai aucune idée. Mais j'ai mal à l'eau, j'ai cru comprendre qu'on resquillait les tickets d'avion et qu'on montait dans des Boeing en plein vol. Oui, alors j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions sur. En fait, hier, je me suis levé vite fait pour filer un coup de main. Et au bout du troisième vol, on est juste passé par une banque. Evan et Kim, on a un Boeing qui nous a pop juste devant. Fait que bah, l'avion a explosé en plein vol. Et on a atterri sur le quartier de la Neotriana. T'as vu le message de Miguel? Ouais, j'ai vu. T'en penses quoi? Bah, je pense un peu comme quand il part en vacances, je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais moi je pense un peu comme ça. Bah, ça va être des sacrées grandes vacances, parce que là, pour qu'il prenne le temps de faire un message comme ça, puis qu'il me dise avec tous les pouvoirs, c'est quand même pas la même chose. Hein. Je pense que c'est pas une situation qu'on a déjà connue. Ok, ouais, bah je me trompe peut-être. Le temps de mettre Kim en adjoint. Bon, il m'aurait juste laissé gérer tout seul comme d'habitude. Ouais, c'est vrai. Allez, faut qu'on passe à la banque, t'as dit. Ah ouais. T'en penses quoi, toi? J'en pense que... Oh, bah tiens. Comme par hasard. Ah bah tiens. On sait quoi faire ce soir. Tu peux noter sur Intra le zip chargé 19h01. Bon, ouais. Ce que j'ai cru comprendre pendant pas là pendant longtemps. Mais pendant longtemps on sait pas. Il est pas là pour le moment et pendant ce temps-là. Ah du coup tu me disais. Tu me disais ce que je t'ai demandé ce que tu en pensais du message du Miguel. Ah oui. Oui, je disais que pour qu'il mette un message comme ça, c'est que ça allait déjà durer un peu plus longtemps que d'habitude et que. Et que pour le coup, j'allais prendre vraiment la place de numéro 1 plus que numéro 1 intérim, enfin dans ma façon de faire, tu vois. Ouais. Alors que là, on va faire bouger les choses. Il y a des choses qui ne vont pas. De toute façon, c'est ce qui met dans son message, il faut que les choses bougent. On va changer vraiment des choses. Donc, le plein pouvoir, je le prends pas entre guillemets, tu vois. Je vais vraiment le prendre là. Ouais, la place de la Nord. Ouais. Tu penses à quoi quand tu dis qu'il y a des choses qui vont pas et qu'il faut qu'elles changent? Il y a pas mal de choses sur notre attitude, il y a pas mal de choses sur les gens qu'on voit quasiment plus. Il y a pas mal de choses sur notre façon de travailler. Aujourd'hui, tu vois, je pense, est-ce que la FPPR c'est vraiment ce qu'on veut? Alors peut-être qu'on va me dire que oui, mais dans ce cas-là, il va falloir qu'on change notre mentalité. Soit on me dit non, et bien dans ce cas-là, on va changer, tu vois. On va changer de SP. Ouais. Enfin, il y a plein de choses. Je pense qu'il y a des trucs à remettre en question. Et que Miguel voyait pas forcément parce qu'il était pas là tout le temps. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai bien mettre les pieds dans le plat. Hein. J'ai pas y aller à demi-mois. Idem le dernier paragraphe de Miguel qui dit qu'il y en a peut-être qui sont trop vieux pour. Je sais plus comment il met ça, mais. Certains ne suivront pas parce qu'ils sont trop vieux ou fatigués. Bah, va falloir que ça bouge rapidement. Parce que. J'hésiterai pas à vider mon chargeur. À un moment donné, la famille. Enfin, je veux pas que ce soit tout le temps les mêmes qui s'arrachent le cul, qui fassent bouger les choses et tout. Ok.
Et quand tu parles de notre mentalité par rapport à l'aspect pillard, tu penses à quoi? Qu'on se mette un peu plus à braquer ou pas? En fait, de ce que je comprends de l'aspect, aujourd'hui, c'est soit on prend pillard et on oublie les supérettes, machin, tout ça, on va vraiment aller faire le pillard. Alors, je parle pas des PM. Hein. Les PM, j'ai toujours le même discours. Les PM, on les embauche, on les fait travailler. Justement, eux nous font des sacs, machin. Et ça, les taper plus haut. Mais c'est tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas que le soir quand on est 10. Aujourd'hui, ça me paraît. Enfin, bon, bref, chacun fera son avis. Ou soit on repasse sur receleur et là on est sur de la supérette, de la bijouterie, du machin et tout. De mon point de vue, c'est peut-être ce qui nous correspond mieux. Miguel nous a poussé sur Pillard parce qu'il bah, il voyait lui la période quand il était là, donc quand il y a 12 personnes. Parce que la mano d'aujourd'hui c'est plus toi. Donc ça, mais ça on en discutera tous ensemble, ça c'est pas un gros problème ça. Oh, bien sûr. Il faut qu'on avance là-dessus. Et bonsoir. 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 Et bonsoir. Bon, vous j'ai parler. Pas noté, c'est qui vous? C'est quoi? C'est quel groupe? Dauntless. Dauntless, ok, ça roule. Vous avez eu Jeanne ou pas cet après-midi? Non, je crois pas. Elle va vous contacter la semaine prochaine, on organise un petit event crémi là, pour vous faire du pognon. Ok. Je sais plus quand c'est le rendez-vous, je crois que c'est mercredi à 21h, mais vous contactera, elle vous redira ça. Ok. Et préparez-vous, la fin de semaine prochaine, ça risque d'être sympa. Il y a plein d'argent à se faire. C'est cool, c'est nickel, ouais. Ne casse pas mon camacho! Pardon. Bah ouais! Je vais te casser ton. Mais non, c'était pas en quoi. Ta tête d'ailleurs, je sais pas. On casse quoi, son véhicule ou sa tête? Sa tête dans son véhicule. Ah, mais après, il peut plus travailler pour nous. Ah ouais, c'est vrai. Ah, mais il a l'air tendu, comme tête là. Oh, c'est la guerre! Non. Non, numéro 1, donc je peux faire ce que je veux. Ah ouais? Bah avec eux, du moins. Ah oui, bah oui, bah, j'espère bien. Ouais. Après, on peut jouer à ça, mais en ce moment, je m'emmerde un peu. Hein. Tu as pris le téléphone aussi? Vas-y. Oui. Général, je vois qui? Moi. Allez. F965. Allez, voilà. Nickel. Parfait. Mais nickel. Ouais, parfait. Hop là. Bonne journée. Bonne soirée et puis on tient au courant pour mercredi. Bonne soirée. Ouais. Allez, bon courage. Pip, elle a ravalé une voiture pour 100 kilos. Je dirais qu'elle fait bah, une sorte de voiture. Je dirais qu'elle fait une sorte de scout quoi. Tu vois, genre elle va devant et elle voit s'il y a des flics ou pas. Mais ouais, je vois ce que tu. Aïe. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, la mano, elle est plus une P... elle est plus receleur que pire. Bah, tu parles dans sa, dans la mentalité même de la mano ou dans ce qu'on fait? Ah. Dans bah, la mentalité, je sais pas. En vrai. Après, dans ce qu'on fait, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, le côté où on va chercher des convois de groupe ou autre, on le fait pas. Dans la mentalité, je pense que ça dépend des personnes en fait. Ouais. Je pense que demain, tu dis on va aller braquer les Aztecas ou je sais quel autre groupe sur Caillou, t'en as plus d'un qui se mettent en tenue dopée directement et qui sont prêts à partir. Ouais, est-ce que passer 2 heures dans un buisson sur Caillou, ça va faire que tout le monde tous les jours longtemps, toi? C'est la question, bah José il me demandait et il me disait j'aimerais bien qu'on braque les Aztecas et je lui dis bah, c'est toujours compliqué en fait parce que demain si tu vas sur Caillou, enfin moi je veux bien mais effectivement rester 3 heures dans un buisson Mais être receleur ça empêche pas de braquer des convois tu vois. En fait c'est juste que si on veut rester pillard. Ça devient notre truc journalier, tu vois, c'est on braque. C'est-à-dire que le matin on se lève, on va chercher des convois. Et pas que des convois de des convois civils aussi. Oui ça rapporte moins mais on s'en bat les couilles là-dessus. À un moment donné, faut aussi imposer notre puissance, tu vois. Aller ouais, péter ouais. Un camion de run, un convoi G6, on s'en fout de la thune derrière, de toute façon la thune on l'a. Il faut arrêter de réfléchir avec l'argent. L'argent, au pire, ce que je disais tout à l'heure, là j'ai dit demain on achète les places de Emmy.
Il y a une course au sac, vous n'aurez pas de salaire, c'est bon, en termes de thunes, aujourd'hui, s'il faut filer 100 000 balles à quelqu'un, c'est pas un problème, tu vois. Ouais, bien sûr. Même les salaires, ils sont là pour que vous puissiez vous acheter votre truc perso, mais en vrai, il n'y aurait pas de salaire, tout serait sur mon compte, et puis on achète. Il y a un tel qui me dit, je veux le temps, je l'achète, et terminé, tu vois. Ah, mais aujourd'hui, on a. Enfin, c'est vrai qu'à part nos véhicules, on n'a pas besoin de sous. On n'a pas besoin de thunes, moi. Et encore, en termes de véhicules, on se fait plaisir. Bah, trop, même. Mais moi je pense que dans le fond ça conviendrait bien à la mano, mais effectivement c'est... Je sais pas, mais en tout cas il va falloir prendre une décision et une fois qu'on aura pris la décision il faudra jouer le truc à fond, je veux pas d'entre deux ou quoi, c'est... Si on veut être pillard et ben on va défoncer tout le monde. Après je pense que ça peut aussi faire du bien à la famille dans le sens où effectivement, et je suis d'accord avec le boss, hein, on attend beaucoup après toi et Miguel. Pour des trucs qui va être par exemple braquer un. Non mais après c'est quelque chose dont on est conscient. Hein. Mais de fou, mais moi quand tout le monde se fout en rond autour de moi là, à l'entrée là. Quand je me lève là, que tout le monde est autour de moi là. Y'a rien qui me casse plus les couilles que ça quoi. Je sais que c'est un support. Mais je, oui, mais tu vois, hier soir j'ai vu que. Hier soir je vous ai dit, bah chacun. Alors bon, je suis un peu déçu que c'est la fin. Pas déçu, mais ça vient de Jade. T'as préféré que ce soit pas tout le temps Jade, tu vois. T'étais pas là hier soir, toi ? Non, j'étais pas là, moi, hier soir. Hier soir, ils ont fait une petite course entre eux. Jade a lancé le truc de la course au sac. Bon, ça vient beaucoup de Jade. Mais j'aimerais bien que ça vienne de tout le monde. Hier soir, j'ai volontairement lancé le call. Je suis pas là ce soir. Vous êtes tous au même niveau. Vous pouvez tous prendre de la responsabilité. Allez-y, faites quelque chose. Il y a une petite course qui s'est mise en place, machin. C'est cool. Ouais, non, mais bien sûr. Mais pas attendre de Miguel et Alan pour faire. Vous avez voulu faire une banque quand je suis pas là. Je m'en bats les couilles, moi. Prenez les bonnes décisions, puis même si au pire on s'est perquisé à la fin, bah, au pire vous prendrez un taquet parce que vous avez fait de la main et la fois d'après vous ferez plus d'erreur. Mais je suis complètement conscient et je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que. Je pense que c'est cette manière. La mano a peur de prendre des taquets. Je pense que de manière générale on a peur de ça. On a peur de mal faire et de derrière prendre un taquet. Mais ça nous bloque, mais on le sait que ça, moi j'en suis conscient. Hein. Être tranquille le chat là, descendez-vous. J'arrive même pas à vous lire tellement il y a de trucs là, descendez-vous. Attention, on fait pas de backseat, on fait pas de juste, tranquille. Ça va bien se passer. On est parti pour plusieurs jours. Il y a pas mal de discussions dans les jours qui viennent. Hein. Mais du coup, je pense qu'effectivement, si on commence à devoir braco un peu tout le temps, bah, ça va peut-être débloquer un peu le truc de bah, on attend toujours qu'Alan et Miguel soient là et on a peur sinon. Bon, ça fait. Ouais, je sais pas, on verra. On verra ce qu'on pense chacun. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a plus un profil. Donc, ouais, je pense qu'on a plus un profil de receveur que de pillard. Je sais pas si on a du monde le prévu ce soir. On a potentiellement une banque déchargée. Je sais pas, il y a juste Evan qui a mis un truc sur mon message. Evan m'a dit qu'il serait là, Jade je crois, Pompon est pas là.
Kim, je crois qu'elle est pas mal occupée. Elle disait j'essaierai de passer, donc je pense qu'elle sera pas là pour la banque. Au pire, si on fait pas la banque ce soir, c'est pas grave. Oui, on verra en tournant, on envoie de temps en temps des banques qui se remplissent. On aura d'autres. Merci pour les 12 mois. Ouh, on fera la semaine. De toute façon, c'est pas. On se note quand on voit une banque est chargée, si on n'a pas l'occasion de la faire le soir même. On va voir comment réagissent les gens au message, notamment au dernier paragraphe. Il y a 2-3 avec qui j'aurai besoin de parler de toute façon. Ah oui, le dernier paragraphe, ouais. Ouais. Bah, c'est clairement une porte ouverte de Miguel, mais ce sera la seule porte. Hein. Parce que l'autre porte, c'est une balle. Hein. Attends, je vais aller dans... Ok, ouais, j'avais lu vite fait, j'avais lu en diagonale, j'avais pas vu la partie qui fuit vite LS. En diagonale, quoi. Bah, tu vas prendre une balle aussi. Mais non, arrête, moi je suis chaud. Ouais. Je suis là, je suis chaud pour qu'on se réinvente et qu'on mette la ville à genoux. Il y a Kim qui prend des notes déjà, nickel. Tu penses qu'il y a des personnes qui vont prendre cette porte? Bien, on va les vendre de la drogue. J'espère. Parce qu'autrement, il va falloir que ce soit mon flingue qui fait la porte. Ok, je vois. Comme je t'ai dit, je pense que... En fait, la différence entre Miguel et moi, c'est que Miguel était là souvent le soir, il voyait pas tout. Et les gens se comportaient pas... Ah bah... C'est en naturel quand Miguel était là. Je prends une vingtaine. Vas-y, vas-y. Oui, une chose est sûre, c'est que la mano quand Miguel est là et quand il est pas là, c'est pas la même chose. Je suis complètement conscient. Elle est d'info là sur un Agua Chris ou pas hein. Agua Chris, bah oui, c'est une enceinte de métaupe. Elle sort d'où avant d'être EMS? Tu te souviens Portalis qu'on avait. On était tombé sur une nouvelle arrivante et il y avait Portalis à côté qui osait pas venir. Ah, c'était elle? Ouais, c'était elle. C'est incroyable! Donc ça fait pas longtemps, elle a été EMS directement, elle m'a vendu 2-3 informations et puis elle m'a demandé si elle pouvait arrêter de me vendre des informations et je lui ai dit qu'on forçait personne à travailler pour nous. Oh, mais c'était incroyable ce moment-là, Portalis qui était au exceptionnel. Bout, truc, là. comme quoi une rencontre de merde dans la rue. Non mais c'est vrai hein. C'est fou hein. Tu chantes des gens dans la rue, tu leur donnes ton numéro, tu leur expliques un peu qui t'es et ça peut apporter des trucs, ok. Voilà, Chris m'a dit qu'elle sortait avec un sentinelle. Ouais. Ouais, il m'a dit, ouais. J'ai pas grand chose de plus. Bon, y a pas trop à se méfier, quoi. C'est non, c'est ok, elle va pas essayer de niquer le Chris, mais après, c'était une informatrice quand même, quoi. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui voilà, est un peu tout le temps border. Voilà, elle sort avec un criminel, moi, elle me prenait des informations. Il y a du monde au plein grec, là. En vrai, je sais pas trop ce que Chris veut. Oui, les portes d'appart bloquées, c'est compliqué ça. Ouais, merde.
On va passer la soirée à deux, James. En tête à tête. Nickel. Quoi, ça doit pas? Mais si, ça m'a. Mais c'est terrible ça. Pourquoi t'as. C'est quoi ce nickel là? Mais t'es en train de surinterpréter tout mon nickel. Faut que je te vois maintenant que t'es passé N1. Hmm? Je dois te vous voir maintenant que tu es N1. Ouais, tu as mal dans ta gueule, tu vois. Ça va rien changer du tout. Je crois qu'il nous manque à deux cette technique par contre. Hein. Ah mais... On m'a fait fuir les gens. Ouais, c'est terrible. Je pense quoi les deux prospects hein. Alors moi je suis un peu opposé, enfin je suis un peu de la vision opposée de je crois Zach et Jade. Moi j'aime beaucoup Rosset, je trouve que. Alors effectivement il faut le canaliser un peu mais il est très bon dans tout ce qu'il fait. Et Van faudrait qu'il bouge un peu plus, je trouve. En fait, il a le quotidien. En termes de quotidien, il a les bons réflexes et tout. Mais. Manque peut-être un peu d'initiative. Oui, beaucoup, ouais. Mais ça fait les efforts, quoi. Ouais. Non, sinon, les deux sont bien en vrai. Ouais, je suis assez d'accord. J'ai eu peur sur les deux au début. Ouais. Ça fait des efforts. Ouais, les deux, voilà. Bah, les deux ont leurs défauts, mais ils font des efforts et ça marche bien. Je pense qu'ils sont pas trop mal intégrés. Ouais, on fera un truc d'Evan un jour, mais en tout cas, bon, tu peux. Enfin, tu sais que c'est un mec, tu peux lui filer du boulot, quoi. Il le fera, machin et tout, en initiative. Après, on peut pas avoir que des meneurs d'hommes, toi. Ah, ben, bien sûr. Mais en fait, c'est ce que je disais à Jade la dernière fois, ou à ça que je sais plus. En fait, la problématique, c'est que demain, on est en OP, on a besoin. Il va être tout seul dans un véhicule et on va avoir besoin qu'il fasse quelque chose. Ouais, ça, c'est chiant. Je sais pas s'il va être capable de s'adapter à la situation, en fait. Ouais, alors, et puis en plus, avec ses fragilités un peu. C'est ça. Tu peux pas trop le laisser conduire, tu peux pas trop le prendre en passager, tu peux pas. Il y a plein de trucs que tu peux pas laisser faire. Ça, c'est un peu problématique maintenant. Malheureusement, c'est comme ça. Après voilà, c'est pas, ça arrive pas non plus tous les 4 matins, on a besoin d'un gars dans un véhicule qui fasse quelque chose. Sur le quotidien, oui, j'ai assez confiance, il gère, ça se passe bien. C'est pour ça, pour moi, ils ont un peu des profils complètement différents, Rossé et lui. Et par contre, Rossé en OP, je le laisse tout seul, je sais qu'il va aller où il faut, il va prendre les bonnes décisions, il va faire ce qu'il faut. Ouais, alors un peu peut-être trop... Peut-être un peu trop. Les machins et tout, mais au moins, ouais. Moi, ce qui me faisait surtout peur, c'est... Le fait qu'il veuille tout braquer de partout, tout le temps. Alors lui, pour le coup, il a la mentalité pillard, ça, y a pas de problème. Mais il a compris. Il a compris qu'il pouvait, fallait pas aller trop loin et qu'il arrive à s'adapter. Oui, j'ai essayé de lui expliquer aussi un peu de temps en temps. Je braque assez souvent avec lui là, le soir. Qu'il fallait toujours peser un peu le pour et le contre. Est-ce que c'est ce qu'il y gagne et ce qu'il risque en le faisant aussi. Je pense qu'il va falloir qu'on prenne une décision à la fin de la semaine. Là. Ça fait un moment qu'ils sont en prospect. Ouais, ça fait... je sais pas combien de temps ça fait, mais ça commence à faire un bon moment là. Ouais, bon après le temps, peu importe, mais bon. Tout le monde là. Mais là, 100%, on va en pochon, on a déjà les filles qui nous tombent dessus. Hein. Ah, j'ai plus de gems à côté de moi. Alors, on était posé où? Oh non, puis la rocade est pétée. Eh ben, je crois que je suis solo. Eh ben voilà, jusqu'à. Attends, il y a une tempête? Ou c'est moi? Oui, il y a une tempête. Bon, on va pas. On va se rapprocher de la villa. Il y a eu une tempête hein, où j'ai trouvé un acheteur. Bah, je vais pas aller le vendre pendant une tempête. Hein. Ouais, ben non. Hein. Mais la rocade. Je parle in-game. La rocade marchait plus depuis tout à l'heure. Je pense qu'il y avait un petit souci sur le serveur. Ils ont fait une mise à jour à 18h. Il y a fait un truc qui a pas trop fonctionné. Du coup, on va essayer de se rentrer, mais c'est loin d'être gagné.
Y a un monde où les gens n'arrivent pas à se reconnecter et. Hop. Regarde la position. C'est bon. Bon, nous on est safe. Bon. D'ailleurs, Chris, il était repassé prospect depuis les repassements. Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. J'ai refait passer. J'avais demandé à Miguel de repasser membre après qu'il ait enlevé Carlos en solo. Il avait dit qu'il avait regagné notre confiance et que. Et que pour moi, il devait repasser membre. Et ça, je retourne faire du DJ des champs simulateurs. Ah ben, bon DJ des champs simulateurs. Ouais, Gare du Nord, comment ça? Je sais pas, Elia Draco, elle a lancé son stream, non, elle a toujours pas lancé. Ben non, elle stream pas sur Draco, elle est. Elle est sur le chat. En plein travail. Ah, 10 minutes tempête. Bon ben au moins, on est fixé. Alors peut-être, mais je taffe là, ouais. Ok. Pour l'instant, c'est tempête. Hein. On va admirer la tempête NVE. J'espère que Lily Rose est pas là. Vous êtes plus receleur. Si. Si, toujours. Hop. J'espère qu'on va pouvoir. Oh, putain, faut relancer 5M. Oh la merde! Il va falloir relancer Fabien, j'ai pas pensé à ça. J'ai essayé de dire bonjour, mais du coup, je vis. Ah putain, j'ai pensé à toi direct quand j'ai vu l'orage. C'était un Miguel en puissance, hein, pour la beauté du geste, il va très n'importe quoi. Et puis juste qu'il nourrit, c'est un... Ouais, après on va faire la mano autour de Rosset. Magnifique. Ouais, sur NVE, c'est beau. Hein. Je vais mieux me poser là quand il y a des orages. Oh, on voit pas beaucoup d'éclairs. Hein. James en pleine ville. Bien arrivé, j'ai raté le début de l'âge, j'ai hâte de suivre le lancement. Ouais, je pense qu'il y aura du changement après. Il va falloir voir comment les joueurs prennent le message, qui. En fait, il va falloir que les joueurs jouent le jeu. Parce que je peux pas non plus forcer les gens à. Là, il a envoyé un message de Miguel qui dit certaines choses. Il faut que les joueurs prennent du recul sur le sujet et jouent le jeu. Parce que après, je peux mettre des balles à des joueurs en RP, hein, mais bon. On va faire une fusillade, donc on va voir. Mais en tout cas, oui, il y a des choses qui vont changer, c'est sûr. Et de toute façon, je pense qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent à la mano. Rapidement. Et pour le coup, je pense qu'il y a des joueurs qui devaient se sentir un peu coincés. Et là, Miguel vient de leur ouvrir une belle porte de sortie, en fait. Donc, par contre, il va falloir qu'il apprenne qu'on se retrouve pas dans la même situation dans une semaine. Clairement.
Parce que là, forcément, il me restera que la solution de lui mettre une balle. Donc, il va vraiment falloir qu'il y ait. Mais ouais, non mais carrément, de toute façon, si y a des joueurs qui prennent pas la porte et que moi, je pense qu'ils auraient dû la prendre, on peut en arriver là. Après, c'est le RP, 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 on verra bien, hein, mais on peut en arriver là, c'est une possibilité. En tout cas, aujourd'hui, Alan a toutes les cartes en main pour le faire, voilà. Le message d'avant où Miguel a la vie de la mano au bout de son arme, mais aujourd'hui c'est Alan. Donc et au vu, en fait, Miguel a demandé dans son message, donc en mettant moi aux commandes, c'est comme s'il me demandait à moi, Miguel a demandé dans son message que la mano se bouge et redevienne la mano d'avant. Donc si les joueurs prennent pas la porte de sortie, je serai obligé de le faire pour respecter l'ordre de Miguel, vous voyez. Après, si les joueurs ont juste besoin de souffler pour revenir, on leur fera des portes. Non, mais là, on leur ouvre des portes, on leur fera pas la porte. Mais à eux de prendre la bonne décision et savoir ce qu'ils veulent faire. En gros, il faut qu'on avance en RP là. Faut pas laisser. Faut pas rester comme celle-là. Là. Et il y a 3-4 joueurs qui tirent la langue parce qu'ils doivent tout gérer. Faut pas rester comme celle-là. Et clairement, y en a pour qui c'est pas fun, faut bien se rendre compte. Hein. Des coups. J'espère qu'on va pouvoir relancer. Je pense que le reboot va pas prendre trop longtemps. Il y avait quelqu'un qui voulait un pochon, je suis vite sorti de la voiture pour lui filer. Il y avait quelqu'un qui... Ah ouais, d'accord. Ah bah oui. Ah c'est vrai qu'on vendait des pochons à la base. Ouais, on vendait des pochons, ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on va aller. Bonjour, vas-y, tu envoies ta poche, je viens de chercher. Vas-y, ça marche. Vas-y. Oui, il était encore sur le navigateur. J'ai pas le son du jeu, moi. Ah, bah oui. Bon, à mon avis, il n'y a pas grand monde, du coup. Je pense que 23h, on se met sur le serveur histoire de. Je sais pas si les, le staff a besoin de tester avec un peu de monde pour voir la stabilité et tout. Mais je pense qu'on va pas faire grand chose en vrai. Hein. Là, c'était la bonne scène, c'est que vous avez laissé l'affichage du navigateur. Merde, je suis à 120 FPS, voilà, j'ai... Le moment d'une banque, ah, hey, c'est pas gagné. Pourtant, on avait bien vu la banque se charger tout à l'heure. Hein. Bon, après, je sais pas si on a eu grand monde ce soir. Bon, j'en profite pour faire l'autre bien. Je crois que c'est loupé pour la banque. Ah, ouais, je crois que ouais. Je crois que ouais, c'est bien loupé. Ouais. Je suis même pas sûr qu'il y ait grand monde qui se lève à ce temps-là. Hein. Ah ouais, je pense pas non plus. Il est déjà 23h, on est dimanche soir. Venir canal, merci beaucoup.
Voilà, on a déroulé un panel musical, c'est pas rien. Donc il y a peut-être un petit peu de IAM ou truc comme ça là, on a passé un petit peu plus de rap. Après, il y a des groupes qu'on n'a pas vu hein, comme Led Zepp, Dire Straits. On aurait pu continuer comme ça des heures. Bah, je sais même pas ce qu'on va faire du coup là. Bah, on peut braquer ou on peut retourner vendre de la dope. On va braquer là. Ah, j'avoue. Ah, c'est quelqu'un. Merci, y'a Madame Riseb. Voilà, tout tiré la roue. Chris a gagné. Chris, non, Chris a perdu 10 tickets. J'ai 8000 balles. On a eu de la merde. Et Agop, il tient. Et là, 3000 jetons. Il a gagné pour nous trois. Et yo, Alan. Incroyable. Yo, les gars. Yo, James. Wesh. Tu vois, Alan, moi je pensais qu'on était que deux. Finalement, il y en a plein qui sont sortis. Ah bah, faut regarder la compta, mon petit James. Oui, et s'y mettre ouais. aussi. Ouais. Alors, ah, je viens juste de récupérer James en ville, là, parce que j'avais largué il y a 2 heures. Merci, Alan. Je l'ai largué où, t'es qu'il est là ? Là même pas, juste en bas. Comment vont tes cheveux, James ? Ça va, on est là, hein. J'ai fait le tri dans nos clients. Ouais. Comme ça, tous ceux qui sont là dans clients, c'est à peu près ceux qui nous recontactent, enfin qui étaient là fin octobre, début novembre. Ou octobre-novembre. Donc c'est tous ceux qu'on peut appeler pour la fameuse course. On a vu Kitter, James, là, à qui j'en ai parlé. Et Dauntless. J'aurais dit que tu les rappellerais. Mais j'aurais dit que mercredi, je tiens prêt. Nickel. Je voulais faire un petit tableau, là, pour dire qui on a appelé, qui on n'a pas appelé. Et comme ça, si, admettons, moi, j'ai appelé les groupes, James n'ait pas besoin de les rappeler ou qu'il sache que je les ai appelés, en fait. Même si je vais lui dire, ah, j'ai appelé Dauntless, moi, tu me connais, dommage, j'aurais oublié. Donc, ouais, bon, faut un petit truc. Hein. Oui, un tableau avec 2 colonnes, appelé, pas appelé, rouge, vert, voilà. Avec le nom, que je vais copier-coller de la compta. Et puis, vous mettez les noms, ah ouais, non. Ah, oui, je vais copier-coller les 2 colonnes téléphone contact. Et je vais mettre vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge pour dire appelé, pas appelé, quoi. Une case réponse, et puis voilà. Je pense que ce sera simple et efficace parce que. Ouais, me casser la tête avec mon truc. Ça sera mieux qu'un message qu'il faudra tenir à jour, tout ça, tout ça. Il manque qui là ? Il manque Hannibal en membre. Il manque Hannibal. Zach, Hannibal, Kim. Zach, voilà. Ouais, Kim, je verrai avec elle plus tard. Je pense que vous avez tous pris connaissance du message de Miguel. Bien sûr. Oui. Oui. Il y a 2-3 trucs à revoir d'entrée. Déjà, je vous invite à, sur le dernier paragraphe à tout remettre en question. On en discutera. Le dernier paragraphe, celui qui commence par certains. C'est ça ? Ouais, celui qui commence par certains. Ceux qui ne sont pas prêts au changement, qui vous laissent une porte pour partir. Donc, la porte, c'est maintenant. Ou après, on reviendra sur les anciennes règles. Donc je vous invite à toujours bien remettre en question par rapport à ça parce qu'il y a des trucs qui ont changé. Il y a une deuxième chose, je vais avoir besoin de votre avis assez rapidement, c'est les prospects. On prenne une décision et il y a un autre truc qui n'est pas des moindres, mais là j'aurais besoin vraiment de tout le monde, c'est les directions de la mano, notamment par rapport à l'aspect. Ah oui, ok. Par rapport à notre business, aujourd'hui on décide de rester pillard et qu'on s'y met vraiment, donc les supérettes, les containers c'est terminé, on se met vraiment à piller aussi. On en rediscutera ça, je pense demain aussi, un peu plus demain, on verra.
Parce que là, les prospects, enfin, tout le monde est concerné, il me faudra Kim. Ou si on décide de basculer plus sur la gestion de PM et de la SUP, ou dans ce cas-là, il faudra qu'on bascule pour être bien en cohésion avec l'aspect qu'on désire. Parce qu'aujourd'hui, on fait un peu de l'entre-deux, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, ce que demande le boss, ça va commencer par ça. Ça veut dire, ça va donner la ligne directrice d'où on veut aller, ce qu'on veut faire. Et en fonction de ça, on prendra les décisions qui s'en suivent. Et par rapport à son dernier paragraphe, ça veut dire que les gens qui vont vouloir suivre la mano de demain, il y a des gens qui vont être prêts à s'investir. On peut être là juste attendre qu'on regarde ce qu'on va faire, donner du temps et de l'énergie pour que tout le monde puisse avancer. En gros, je veux des gens qui participent bien au business de la mano et puis qui se mettent pas en rond à attendre qu'on leur dise quoi faire. Quoi. Okay. Je passe le speech sur les valeurs, les machins, tout ça, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Donc je serai certainement amené à discuter un peu avec tout le monde. Dans les prochains jours, faut voir ce qu'on fait. Ok. Mais je vois. Par contre, je vous dis direct, il est hors de question qu'il n'y a rien qui change. Parce que... aujourd'hui, il y a vraiment des trucs qu'on a besoin d'évoluer. C'est le message, la base du message de Miguel. Hein. C'est que les choses doivent avancer. Si à son retour, il revient et qu'on est tous là, qu'on fait exactement de la même façon, enfin, ça sera pas possible. Et je pense que je me serais tiré une balle avant, de toute façon. Ça veut dire que j'aurais échoué dans ce qu'il m'a demandé de faire. Bah de toute façon, si j'ai bien compris ce qui est écrit, c'est actuellement le numéro 1. Oui. Bah tu fais ce que tu veux du coup. Bah merci. On suit, c'est tout. Et... voilà, enfin, je vois pas où est le... Oui. Enfin, mon point de vue. Ah non, je pense exactement la même chose, il t'a filé les rênes, donc on ira dans la direction à laquelle tu vas aller. De quoi? Ah, j'ai dit de toute façon, enfin je pense pareil en fait, il t'a filé les rênes donc on ira dans la direction dans laquelle tu veux qu'on aille. Non mais je veux bien, mais en fait s'il y a 12 personnes, enfin 11 personnes qui me disent de toute façon t'es numéro 1 dessus mais qu'il y a rien qui change, ça me va pas. Donc c'est pour ça que je serais amené à parler un peu avec chacun. Aujourd'hui il y a beaucoup de personnes où j'attends beaucoup plus d'investissement, je parle pas forcément en temps. J'attends que les choses avancent bien plus que des personnes qui se mettent en rond puis qui attendent qu'on leur dise quoi faire. Je parle pas forcément en temps aussi, je parle en temps aussi d'ailleurs. Nickel. Prenez bien le temps de réfléchir à ça dans les prochains jours. Je pense qu'en début de semaine, on aura l'occasion de discuter. On parlera avec Kim aussi. Avec Miguel ouais, Lamia numéro 2, du coup. Alors, les règles changent pas, ça fonctionne de la même façon. Vous avez moi et Kim, et puis après. Attends, on reste sur ce qu'on s'est dit. Et voilà. Ok. Bah là pour ce soir par contre, il est 23h. Autant vous dire que. Moi je vais au cul, je vais te faire. Essayer d'aller bosser un peu, mais je pense qu'on pourra pas faire grand chose. Ah ouais, tu penses? Bah attends, je regarde. Je pense qu'on peut aussi tourner et voir si on trouve pas des nouvelles PM potentielles. On peut faire ça. On tire bien sur la suppo aussi, s'il y en a qui sont. Bon, en vrai, là, on va pouvoir commencer à bosser. Sur... Ah, s'il y en a qui veulent tourner, aller voir la PM, aller voir la PM. Et puis, ceux qui veulent bosser, ils bossent. Et puis voilà. Au niveau de la course, on n'a rien à préparer. C'est bon, on a des transferts à faire ou pas? Non, j'ai mis à jour la compta, il y a pas 80 kilos, je crois. Non, mais des PM, il n'y a personne qui a essayé d'appeler ou quoi que ce soit, de toute façon, vu le actuellement, temps. Actuellement, non. Attention à toi, je... J'ai juste le Dauntless qui m'avait appelé hier à 1h du matin, mais... On a géré. Vous avez géré? J'ai trois fois rien.
Donc bah, voilà, c'est tout ce qu'il m'avait appelé, que j'ai pas pu rappeler. Le 0005 aussi. Ça c'est Antonio Monte, ça a été géré je crois par James, non? Je crois qu'il j'en ai parlé quand je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, mais il a rappelé aujourd'hui. Non, pas en début d'après-midi alors. Moi, il m'a appelé à 13h07. Mais moi, je l'ai rappelé à 15h10, du coup. Ah non, oui, non, ça avait pas été géré. J'ai rappelé à 15h10, mais il répondait pas. Ok, je vais voir s'il est là. Là. Personne, je l'appelle, ça va plus vite. Hein. Oui, tu peux. Moi, j'aime bien laisser un message comme ça. Il me rappelle en général quand ils sont de retour. Mais tu peux, ouais. Alors moi on sait qu'ils sont là ou pas là et puis on peut se dire bon bah lui on gérera demain. Bah ça marche. Bah Chris tu vas faire les PM toi? Ouais, il est pour là. Ouais vas-y je viens avec toi. Est-ce que je mets de boue? Ouais mais bon. Ah non, attends j'ai de la dope sur moi. Je rentre sur le petit. Un, oh là, il a vu en noir et rouge. Ah. Vous êtes quoi, Jeanne? Je faisais le petit tableau. Je rentre sur le petit tableau, là, moi. Et des DPM. Voilà, c'est tout. Pas plus, pas moins. Moi je disais du coup j'aurais testé ta savestra hier. Ça te dégomme. La voiture elle peut pas de mine comme ça mais les flics ils l'ont pas aimé. Hein. On a quand même gagné. Oui t'as gagné à 6 sacs près, super. 8. Ouais 8, ouais, encore pire. La soirée du 11-11 des mouvements suspects avec la présence d'une AK-47 sont repérés en 70-31 par les agents. Ah bah c'est hier ça. Ouais. Il éclate alors entre les FDO et le groupe des Aztecas, faisant plusieurs blessés et menant une saisie de 1650 oui, dollars. Suite à cette rixe, 6 membres des Aztecas seront condamnés pour agression et tentative d'agression armée sur déposité à l'autorité publique, et aussi pour détention de catégorie 2 et catégorie 3 illégale sans PPA. Ils écoperont un total de 415 000 dollars d'amende et 1 heure à 3 heures de pénitencier chacun. Un septième membre sera quant à lui condamné pour détention de 4-2 illégale menant à 25 000 d'amende sans peine de pénitencier. Putain. Il est où là? 70-31. C'est pas moi, c'était l'ancien Squadra qui était jeune. Ouais, c'est en face de la station essence, tu sais? Dans le petit truc là où il y a la piscine. Ah oui, au-dessus de Prosperity, là, le gros truc de bâtiment, là, le petit hôtel ouais. Abandonné. Enfin, pas ouais, abandonné, mais. Ouais, si, je vois. Ah, c'est cool, mais toi, ça m'étonne pas, les Aztecas, à chaque fois qu'ils font le moindre truc, ils valent des AK-47 et tout. Et là, ah, ils disent qu'ils ont vu des mouvements suspects avec la présence d'une AK-47. Bah, typiquement, tu sais, là, ils nous auraient tout le temps sur le parking, putain, en dessous de Vinewood, là, je sais plus où c'est. En dessous d'Eclipse plutôt. En 70, je crois que c'est 70. 71-50, je crois. Ok, vous voulez faire quoi? Moi je vous suis là, je suis la tête dans les trucs donc je peux braquer, je peux. Vous aller faire des containers ou braquer des sup? Ouais, voilà, je peux faire les deux. Chaud pour les deux. Chaud pour des sup. Et ben on peut faire des sup. Bon, allez. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme. Vous voyez, ça c'est du Russell par exemple. Et je pense qu'on est plus. Je pense qu'on a plus une attitude de Russeller que de. Je pense aussi. Je pense aussi, Alan. Allez, investir. Go. Bah, moi, je t'avoue que oui, même si c'est notre bis principal, les containers, j'avoue, c'est pas un truc qui me. Mais même les supérettes. En fait, demain, si on veut être pillard. Si aujourd'hui on veut continuer d'être pillard, on fait plus de supérettes, on fait plus rien, et on va traquer du convoi, on va traquer du civil ou criminel. Hein, mais est-ce que c'est vraiment ce qui nous
faire en vie, je suis pas sûr. Parce qu'aujourd'hui, la mano, les personnes qui sont à la mano, c'est plus des receleurs que des pillards. Après, pour le pillard, il manque une pièce pour moi. C'est ce qu'il avait commencé à faire le boss, tu sais, de l'espèce de code de piraterie. Et si ça, c'est pas abouti, bah, le code de piraterie, il va aller exploser avec pillard. Parce que ça veut dire qu'on va aller taper dans la gueule de tout le monde. Ouais, mais justement, s'il y a le code de piraterie et qu'il voit pas la douille arriver et qu'il s'engage sur un code de la piraterie, eh ben, tant mieux pour nous, tu vois. Parce que là, en l'état, à partir de chez pillard, si tu déclenches des guerres à chaque fois que tu tapes un convoi, tu vas te retrouver avec 2-3 guerres au cul, c'est impossible, c'est intenable. Ouais, enfin, c'est pas parce qu'à chaque fois qu'on s'est pillé qu'on déclenche une guerre. Hein. Les balas qui ont chopé sur la montagne, ils ont pris un chargement, on n'a pas déclenché une guerre derrière. À un moment donné, il faut arrêter d'être con, déclencher des guerres à chaque fois pour rien. Ouais, mais si jamais on commence à taper 2-3-4 convois par soir. Ils vont vite en avoir plein le cul, hein. Et s'il n'y a pas un truc qui va les stopper, ils vont dire, pourtant, on va les fumer, ils vont se calmer un peu et on pourra reprendre à bosser, tu vois. Ouais, c'est pour ça que... Pourtant, ce qui pourrait s'apparenter à des convois, enfin, moi, je suis désolé, hein, j'ai les yeux, hein, les soirs, on croise, hein. Oui. Des convois de vannes avec des mecs masqués dedans. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai 20 pochons de dope sur moi. J'ai pas mis dans le coffre. Ouais, sinon, je te remonte vite fait pendant qu'il broque, hein. On va faire celle-là d'abord. Et je vais garder sur moi. Ça break. Je fais rien. Mais ouais, mais aujourd'hui, c'est ça en fait. Être pillard, c'est ça. C'est aller taper des convois tout le temps et quitte à se manger des guerres, machin et tout. Et je vous rejoins que à partir du moment où t'as une guerre, aller replier des mecs et tout, c'est compliqué. Bon, tu peux aussi faire les entreprises, tu peux faire G6, tu peux faire plein de trucs. Hein. En vrai, G6, ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on l'a pas fait, moi je serais chaud. Hein. Non, c'est pas parce que t'es receleur que tu peux pas aller taper G6 non plus, toi. Y a... Et de mon point de vue, on a plus un. On a plus des receleurs que des pillards. Ah oui, mais là, aujourd'hui, comment on fonctionne, oui, complètement. Ouais, pour moi, c'est. On voit un camion. Je veux dire une connerie, mais on voit un camion glingling, on le chope, on le prend, on s'en va avec, quoi. Oui, alors les civils, on sait qu'on peut pas taper dessus non-stop non plus, mais de temps en temps, oui, carrément. Non, mais ouais, de se dire, on prend ouais, un camion, on le vide dans un van, là, on cache alors, quelque part, et puis après, on le lâche. Pillard, c'est plus, tu vas surveiller un quartier, qu'on voit quand est-ce qu'il part faire un chargement, et aller taper le chargement, quoi. Sachant que souvent, bah, c'est des... C'est... type d'Astecas qui sortent avec deux AK, machin et tout, donc faut y aller avec du matos, quoi. Après, si on va voir les clients, en vrai, les clients des les mecs qui ramènent aux Aztecas, vu qu'ils prennent toujours 10 ans, ah, les mecs ils sont prêts dans leur quartier ou prêts à partir, ou alors les convois ils sont cachés quelque part, on chope les convois. C'est banco. Hein. Combien de fois on a fait des transacs avec les Aztecas et où on était un peu cul et vent en chemise. Non, mais je dis pas que c'est impossible, après, faut faire ça toute la journée sur plein de groupes, sur plein de machins. Ah. Est-ce que c'est ce qu'on a envie de faire ou pas? Moi je m'en fous, après, faut que je prendrais, enfin, selon. Oui, oui. J'ai envie d'avoir l'avis de tout le monde pour savoir quelle direction on prend, mais moi j'ai une fois l'impression de temps en que temps, pillard ce soit la direction que prend tout le monde. Là on dit on va faire quoi, bah on va chercher les PM et puis l'autre groupe il va faire des sucres. Ça c'est du recel, c'est pas pillard. Après la sup, moi on va faire le tour des quartiers. Hein. Alors là, absolument pas. Ouais, moi, si on part du principe qu'on essaie ça, qu'on essaie agressif envers civil, modéré et envers les autres groupes, et quitte à retomber que ça peut poser sur le groupe, si on est tous en phase avec tenter ça et prendre le risque, quitte à tout perdre et reconstruire derrière en étant receleur, du coup, on sait qu'on sait faire ça. Moi, je serais grave chaud d'essayer de voir en fait, ce que ça donne, si c'est tenable. Ça dépend de ce que veut tout le monde et de l'investissement que chacun est capable d'y mettre. Parce que c'est bien beau le soir quand on est dit d'aller taper 3 convois. Par contre, le lendemain après-midi, il faut du monde pour enchaîner ce que va bouffer la team d'après-midi, tu vois. Je comprends. Oui, mais ça, c'est bien. Après, là, toi, tu sais, moi, l'après-midi. Non, mais c'est pour ça, en fait, aujourd'hui. Moi, la question, c'est pas est-ce qu'on est capable de le faire. Je sais qu'on est capable de tout faire. C'est est-ce que ça correspond à la mano d'aujourd'hui ou pas? Les 3 de l'après-midi ou les 2 de l'après-midi quand ils sont là, ils vont faire quoi si on reste pillard? Ah bah ils vont se faire attraper à la sortie.
Par contre, il est hors de question qu'on reste pillard si on... Bah, ça n'a pas de sens, en fait, de rester pillard si on fait pas le jeu du pillard, quoi. Parce que là, autant partir receleur, avoir les arrières des supérettes, les bijouteries, tout ça, quoi. Allez. Les 500 000 qu'on a mis dans pillard, on s'en bat les couilles. Hein. Rien que pour ça, rien que pour le fait qu'on n'ait pas vraiment le grand monde l'après-midi, le pire faut oublier. C'est fini. Après je vous le dis, hein, par rapport à l'annonce de Miguel, l'après-midi, ça va changer, mais putain. Mais... Parce qu'est-ce qui va changer l'après-midi? Parce qu'il y a quelques personnes qui prennent la porte de sortie ouverte par Miguel quand même. Franchement, je vois pas qui. J'ai peut-être une personne en tête, mais vraiment, je serais étonné qu'ils la prennent quand même. On va. Et si ça prend pas la porte de sortie, il va falloir mettre beaucoup plus d'investissement parce qu'autrement, ça va être une balle directe. J'ai fait quoi de ma dope, moi? Tu l'avais sur toi, non, t'as dit? Ouais, j'ai gardé. Oh, 45, incroyable. Hop. On en a parlé en partie, en gros, ce que je Hop, peux vous dire. 45 et 40. On ne peut voir ce qu'on peut braquer. Ou... En gros, ce que je peux vous dire, il y a du monde en plus, il y a du monde sur la stream, au moins il y a du monde au courant. Hein? En gros, c'est qu'il ne peut pas trop nous dire ce qu'il est en train de régler, mais il a besoin de temps. Ça prendra du temps. Je ne sais pas dire en jour, en semaine ou en mois. Bah, pouvoir un peu, tu vois ce que ça donne, parce que peut-être qu'effectivement, on ne trouve pas si facilement que ça, t'en trouves pas des si pleins que ça. Il demande à ce que les choses changent, je donne pas le détail parce que vous découvrirez en RP au fur et à mesure. Il demande à ce que les choses changent et du coup il me... Il dit je transfère l'autorité de la mano à Alan avec Kim en adjoint pendant mon absence. N'importe la décision que Alan prendra seront les bonnes, j'ai confiance avec lui. Et à la fin, il dit... certains ne suivront peut-être pas le choix ou seront peut-être trop vieux et fatigués pour se réinventer. Qu'ils fuient à Monsanto dans les plus brefs délais. De qui? Et couleur rouge, rouge mauve. Mais ça, je connais pas moi. Voilà. Ah ouais? Bah non. Rien voir. Du coup, c'est la sortie sur qui il n'est absolument rien. Bah, en sorte, oui, parce que aujourd'hui, enfin, de mon point de vue, il y a des slots à la mano qui sont pris alors que les gens veulent plus jouer et il faut laisser la porte ouverte aux joueurs et ce sera quand même beaucoup plus simple pour les gens qui. Pour les gens qui font tenir le bise avec au moins un tiers de la mano qui vient plus quoi. Comment ça c'est la merde. Non, regardez les appartements. Ah non, pas par rapport à vous. Mais, j'avais une petite question. Je connais pas tout le monde en ville, hein, mais vous êtes qui? C'est présenté Supreme. Ah, vous n'étiez pas là. Ah, du coup, oui. Ah. Nous, c'est les Renegades. Renegade, ok. On est en train de se former tranquille. Tu peux te présenter à qui là cet après? Oui, c'est la question que je me posais. J'avais vu exact. Ok. Mais on n'est pas au courant. Ah, et ça va bien? Vous faites quoi? Voilà, on est en train de former un groupe de PM. Ouais. C'est intéressant. Ça fait quoi? Ça fait de la sup, voilà. Du magasin, des machins, de la vente de dope. Ouais, c'est ça. Il y a des tarots et tout. Ouais, on les a. J'ai eu ça, puis le numéro de. Alors attendez, je regarde. Alors j'ai Chapelier, Alice et Zach. Ok, ça roule, super. Tu veux lire ton truc pour mercredi là? Je peux avoir 2-3 numéros parce que... Ouais, bien sûr. Alors... Curtis.
T'écris ça comment? K-U-R-T-I-S. K-U-R-T-I-S. Ah, Y-S. Tu vas vraiment pas avec un... Tu vas vraiment avec un U? Oui. Et moi non plus, Zary, je peux pas jouer l'après-midi. 73-23. 73-23 et tu après, c'est pas un problème, les gens... Les gens, on les force pas à être là à 24. Hein. Mais s'ils ont envie de jouer, ils jouent. Quoi. Ils sont là tous les jours. Enfin, vous voyez, il peut y avoir des exceptions. Mais... Après, il y a Marius, ça, c'est le lead. Bah, c'est quoi le numéro? Je note. De Curtis Non, le prochain. 98-33. 98-33. Ouais, je peux comprendre que ce soit compliqué et tout. C'est Marius. Maintenant, on a besoin de. Enfin, si on veut avancer, là, on a besoin de. Enfin, moi, je. Tu m'as dit que c'était le numéro 1, ça? Ouais. Marius plus ce truc, quoi. C'est ça. Ok. Et après. Sinon, il y a Augustus. Ouvert en RP, ouais, ouvert en RP. Augustus. 42. Non, je pense que vous savez pas qui j'ai en tête. 42, ok. Et après, le mien, bah, je crois que vous devez l'avoir normalement. C'est possible, dis-moi. Attends, hop, moi c'est. Nino, 96-14. Ah, Nino, oui. 60... Nino, je l'ai, ouais. Ok. Hop. Ok, bah ça roule. Et bah pour mercredi, comme disait Alan, soyez prêts parce qu'on organise un événement. Je pense que ça peut vous intéresser. Et mercredi 20h, ouais, on annonce l'événement. C'est un événement qui dure plusieurs jours. On a eu au pire. Eh ben, ouais, bah, on sera sûrement là, ouais. Eh ben, ça roule. Note comme quoi je vous ai. Tu notes les parts, Curtis. Ouais, et que vous serez potentiellement là, du coup. Oh, oui, c'est même sûr. Ok. Eh ben, nickel. Et là, ça roule. Et du coup, vous habitez par là, je suppose. Non, on regarde. Ok. Vous avez. Vous crachez où? C'est pour ça qu'on disait que c'est la merde parce qu'il n'y a pas grand chose. Là, on est au niveau des places des cubes. Mais. D'accord. C'est pas fou. Vous êtes en train de réfléchir pour avoir un quartier, quoi. Enfin, ouais, un truc un peu plus discret, quoi. Ouais, ok, ça roule. Et eh ben ça marche. Du coup, voilà. Allez, nickel, bonne soirée à vous. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Alors, j'ai aucune idée comment s'écrit Renegade, je l'ai écrit. Alors, R-E-N-E-G-A-D-E, Renegade. Je l'ai écrit, je crois, trois fois différemment. R-E-N-E-G-A-D-E. G-A-D-E, ah, j'ai pas mis de... Yazera, c'est ton 13ème mois. J'ai pas mis de... Bon, au pire, c'est pas grave, s'il y a pas de... Mais... Je les ai mis dans l'annuaire, ils sont tout en bas... Exact, il avait vu un groupe dans l'après-midi, il m'a parlé juste qu'il avait vu un groupe, mais je savais pas que c'était un groupe qui s'était présenté, ouais, je pensais que c'était un groupe qu'on connaissait déjà. Mais... Ça a bien fait de ouais, alors on a peut-être l'impression d'essayer de présenter, mais ça me dirait qu'il a pris ça pour une présentation, sachant que j'étais pas là, enfin qu'il y avait personne. Ouais, je sais pas, bon bref, peu importe. Je pense qu'ils sont rentrés en contact juste avec Zach, ouais, et il a pris comme pas les contacts. Ouais, ils ont croisé du monde, quoi, en gros, quoi. Ils ont vu la lumière. Ouais. Impeccable, c'est, ils sont tous mis dans la compta, ils sont tout en bas là. Quand ils seront créés sur l'annuaire, faudra les mettre. Impeccable. Bon, du coup, Nino, je peux l'enlever de ma liste parce que du coup, c'est les renégats. Mais t'as arrêté à chaque fois que tu as une voiture arrêtée ou quoi? Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ouais, bonjour, bien et vous? Bah, ça va, ça va. Rien cassé, c'est bon? Non, pas du tout, tout va bien. Bah nickel, bah bonne soirée alors. Bonne soirée. Je vais lui faire sa réparation. Ah je suis plus garagiste. Bon terminé la soirée, je suis déçu, puis on va pas aller, ça rien d'aller faire. Non mais de toute façon à cette heure là. Et celle du béni. Oh merci beaucoup. C'est quoi c'est le hype chat, je crois. J'y vais ou c'est énormément. J'y vais. Ok. Bien sur moi, je sais plus.
Ah, t'as pas posé tes pochons là-haut. Ah, c'est bon. Incroyable. Ah oui, il marchait pas ou... Ah, et qu'est-ce qui arrive? Regardez, non. C'est pas nous. Je vais pas voir qui encore. Hein. Ah, bah break pas encore. De toute façon... Oh, regarde-les, quoi. C'est terrible, ça. Ah, mais ça relance un train, comme ça. Ah, il marche. Merci pour le subwoofer à SNCF. Ah oui, il y a de pression, hein. Ouais, ils vont rester là 10 ans, vas-y, autant bouger. Hein. Hein? Ah, ton pistolet là-haut, il est pas là pour le. Pour enfiler des perles, hein. Ah. Et t'es long en feu rouge, dis donc. On a quoi comme petit groupe? Il y a les Dauntless, les Outlaws, les Mads, je sais pas si je leur propose parce que je sais pas où ils en sont avec la Sentinelle. Bon, tu peux leur proposer, de toute façon on risque rien, il y a les Southland. Ouais, c'est fait. Ceux qu'on vient de rencontrer du coup. Et après je sais pas trop. GTR. J'entends les sirènes, préparez-vous. Ouais, les sirènes, ouais. Prends dans la voiture à Gobstop. Alan, entre... c'est devant. Hein. 22. Je laisse faire les calls, Alan. Y'a une voiture derrière toi. Incroyable le call. Mais non, c'est pas vrai. C'est très loin, on n'arrive pas à accélérer. T'as pas vu. Ils ont été tout droit. T'es en parallèle de nous à gauche. Il y a une voiture de flic devant toi. Ils sont bourrés dans quoi. Le parking, ouais, je sais pas. Non, mais ils ont fait un tout droit. De toute façon, t'as eu le deuxième virage, ils t'ont pas vu donc. Ah. C'est les... Terrible. Je pense qu'au niveau petit groupe, on est... Ça fait longtemps que j'ai pas vu la milice là. Et du coup le groupe de Batista. Ils ont pas été greffés Batista, à... Mais tu sais, il est cané. Ouais. Et ah, je savais pas. La milice a pas été greffée à un groupe là. J'ai vu passer ça.
Ah voilà, c'est ça. Ah, du coup, bah, je les enlève, alors. Ah oui, la milice, tu peux les enlever, c'est les libellises, du coup. Milice, du coup, modifier, hop, désactiver... les libellis, on les a ? Oh ouais, ouais, faut aller. Un numéro, quelque part Je crois qu'on avait ça. James l'a, en tout cas, donc... Je vais l'appeler James. Il est James, hein ? Ouais. Ouais, tu peux m'envoyer un numéro des Ghibli, si possible le numéro 1, pour faire la liste pour... Tu les as pas du tout ? Mais c'est lui qui m'en avait parlé, oh, ouais, d'accord. Bon, on va aller les chercher. Enfin... On ira les chercher, si là. Les... Si, ah. Si tu les trouves, demande-leur un numéro. Il y a tout qui était fait ou Ok, ça roule. Et je suis en train de faire un petit tableau pour la course, je vous l'enverrai à tous. C'est simple, hein, c'est basique. Allez, ça s'ouvre. Non, les sirènes sont les pas... Le son est pas géré par NVE. Après, il y a des packs son pour les sirènes et tout, mais j'aime pas. Hein. Je veux pas être avantagé parce que j'ai un truc qui augmente les sirènes ou quoi. Il les a pas, il les a pas. Donc, j'ai pas de numéro pour les Yiblis. Je vais les marquer. Mais c'est fou, ça. Il y a un groupe qui est là depuis je sais pas combien de temps, on n'a pas les numéros. Attendez, les crétins des Alpes, normalement, c'est. Je les ai rencontrés, j'avais filé. Ils s'étaient même présentés leur numéro 1, là. Putain, il avait un nom à dormir debout. Là. Non, voilà, moi, c'est James qui m'avait passé l'info de ces mecs-là. Oh, oui, bah oui, je me souviens. Bah, je me souviens dans un cambriolage, on l'avait cassé. Mais ouais, non, je croyais qu'on avait les numéros, mais pas du tout. Ok, ok. Après, si on rappelle la milice, on peut tomber sur eux, je pense. Hein, mais... Y a qui de la milice, du coup, qui est en cambriolage? J'en sais rien, hein. Moi je savais qu'il y avait Batista parce que voilà, mais les autres qui se sont présentés, j'avais oublié les qui c'était. Ah, c'était les restants du cercle après, je sais pas. Ouais, j'avais essayé le pack son de Navy, j'ai vraiment du mal, mais notamment à cause des pneus. Le reste est cool, mais les pneus, on n'arrive pas à enlever que les pneus. Il y a le groupe aussi avec Cora. Je crois que c'est les Dauntless. Je vais rappeler James. Ah, mais quand il pleut, c'est un enfer. Moi, je trouve que sur GTA, j'entends rien quand il pleut. Bah ouais, ça va, quoi. Ah, sirène. Vas-y, on peut nous foutre la paix, là. Bah... Pas l'impression. C'est pas pour nous, hein. Attends. En plus, j'ai les sacs... Ah non, j'ai pas les sacs de la sub d'avant. J'entends plus de sirène. Non plus. Ah, je rentends des sirènes. Une bonne nouvelle, je crois que t'as deux voitures. Ouais, une deuxième qui vient d'accrocher. Ah, je crois que t'as trois voitures. Ah non. Oh non, wow, ça roule n'importe comment. Il y en a un qui a fait direction à Stekaz, donc c'est bien. Il n'y a plus qu'une voiture. Il est très loin, t'as à peine vu. T'as pas vu rentrer s'il doit là. Il vient de rentrer. T'as pas vu. J'ai pas vu, ouais.
je les entends à droite, moi. Oui. Ah, on va retomber dessus. Ils sont complètement perdus, écoute, je... Ah, j'y fais, je rappelle James. Ouais, les Dauntless, le chef, c'est Cora. Elle est où, Cora? Ah, c'est celle qu'on a vu tout à l'heure. Dauntless, est-ce qu'ils sont dans le ABCD? Non, ouais. Non, mais je l'ai, 80-76. Impeccable, je voulais juste une confirmation. Merci! C'est celle-là. Hein. Ah, mais j'entends encore les sirènes comme si c'était derrière nous, quoi. Mais moi aussi. Mais je sais pas où ils sont. On entendait les sirènes à fond dehors, et là dès que tu rentres. J'ai l'impression qu'on a fait la course d'hier, il y a tout blessé. Ouais, ils sont bien faire des super S, je crois, sur bord. Est-ce qu'on a la liste quelque part de ce qui passait pas sur Caio? Je peux t'en faire une si tu veux, je me souviens à peu près. Ouais, je veux bien. Bon, bah par mail, pas forcément là, mais demain ou autre, quoi. Dans les jours tu veux que je le mette dans business ou gang? Ouais, non, envoie-le par mail directement. Ok. Et je m'occupe de ça parce que je sais pas si Miguel avait géré le truc. Et je crois pas, vu le temps que ça met. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a les barres en chocolat. Je mets d'où ça vient aussi ou pas? Non, non, c'est pas. Oh, c'est... Putain, la vache. Plus de rien, non? Plus aucune subcellée, là, tout est scellé, c'est un truc de fou. C'est bon. Hop. Thank you.
On dirait qu'elle a peur là. Qu'est-ce qu'il y a, Judith? Je sais pas caresser le nez encore, c'est pour ça. Tu veux un chocolat chaud? Ah ben là, ils sont pas pour toi. Ils sont réservés. Désolé. Je vais te donner un pansement. Oula. Là. C'est quoi, oula? Bah, y a un avion qui fait des acrobaties, hein. Ah. Je connais ça. Ah ouais? Ouais. Je vais faire plein de trucs avec des avions. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de tout savoir non plus. T'as pas eu mon assaut sur le quartier Neo Triada, hein? Bah si, si. J'ai entendu parler de ta panne de ça, ouais. Je me rappelle à Bilob, c'était lui qui nous avait dit non pour le faire sur le quartier Ballas à l'époque. Du coup, je vais préciser que c'était pas fait exprès cette fois-ci. Et toi, t'arrives que des dingues en avion en ce moment, hein? Bah l'autre, la première fois c'était ma faute pour le coup, je suis en avion au lieu d'en ranger un. Mais là, ouais, là je... Après, tu vois, quand même en voiture avec Evan, il se passe souvent des trucs de fou, bah là en avion avec Evan, un peu la même chose. Et j'ai l'impression que c'était un peu ça. Bon, si je peux éviter de me faire greffer de la peau toutes les semaines, ça m'irait bien. Oui, tu m'étonnes. Plus Swan m'a appris qu'il n'était pas obligé de prendre la peau du cul. Il m'a dit qu'il pouvait prendre de la peau synthétique ou je sais pas quoi là. Ouais, bah ils avaient fait la peau du cul la dernière fois que j'étais cramé avec la bonbonne avec le boss là à côté. Là. La prochaine fois, je demanderai à Swan de me greffer la peau du cul. Hein. C'est plus simple. Directeur. Et puis médecin, Swan. Ah oui, c'est pour ça, il connaît bien. Pourquoi t'as fait. Parce que je rigole. Non, ça me fait rire. Qu'est-ce qui te fait rire? Bah, le fait que tu demandes à Swan qui n'est plus médecin de greffer la peau du cul, je sais pas où, comment elle va le faire, mais. Je demande à voir. Ouais, non, pas moi, non. Ouais, non, je pourrais vous regarder, non? Ouais, non, non, on va pas regarder. Hop, voilà. Ça, c'est ce que je me souviens. Vous êtes tous au courant qui c'est son père? Parce que James n'était pas au courant. Son père? De Swan? Non. Personne n'est bah, au courant. Non. Non. D'accord, nickel. On connaît pas la vie de personne Swan. Personne a réagi quand j'ai dit que je voyais Swan. Bah après, tu vois Swan. Quoi? Attends, mais comment ça tu la vois? Non, moi je savais pas. Toi, t'as intérêt à prendre la porte de sortie ou comment c'est moi qui te bute, mec? Mais non. Non, j'étais pas là. Non, j'étais pas là quand tu l'avais dit. Je jure que j'étais pas là. C'est juste ce que je te dis, ouais, t'étais pas là. Mais t'étais dis... où? Bah pas là, mais je bah, sais ouais. Mais je sais pas quand est-ce que t'en as parlé gros, mais j'ai 1 milliard de pourcents sûr que j'étais pas là. Ça fait combien de temps? Ça fait une semaine j'en ai parlé. Non. Ouais mais je devais, si, je devais que... non, pas non, être non, là non, où non, tu devais être dans une voiture où j'étais bah, pas là, mais... Hein. J'en ai parlé direct et ça fait plus que ça quoi. Ah ouais putain, je vois pas passer les jours. Hein. Ah ouais non, moi ça me parle pas du tout, enfin je m'en serais souvenu un truc comme ça quand même. Mais... Ouais, en fait c'est la fille de Brian. Ah ouais d'accord. Ah oui. Oui, mais ce qui rend le truc un petit peu compliqué, quoi. Ça ah oui, oui. Et c'est comme Chris tout à l'heure qui me dit qu'il parle de nous à quelqu'un d'autre. Oui. Oui, oui, il m'a dit ça tout à l'heure. Une fille, une femme, pardon, des EMS, comment elle s'appelle déjà? Amy, je crois. Quand il commence à personne n'a rien écouté, mais de fou. Mais en fait, c'est vrai que personne n'était au courant, je pense. Je pense qu'on a fait. Ah ouais, après, personne n'avait l'info. Pour occasion. Non. Ta gueule. Ah, il a... oh, ta gueule. Moi aussi, je t'aime, papy. Et ça a l'air de braquer, il a un beau petit sac en main hein, pour récupérer les... Ouais, ça braque bien. On m'appelle aussi en même temps, je sais pas qui c'est. Ouais, j'ai essayé d'appeler Alan. Ah, ok. Bah vas-y, il est en train de braquer là, il termine, il rappelle. Vas-y. Il y a Kim qui est levé. Ok, c'est te joindre. Ah, sirène.
Préparez-vous. Donc il y a plusieurs sirènes. Putain, mais on peut pas faire une sup tranquillement là. Apparemment. Oh, ce frein qu'il a fait quand même. Je pensais qu'au début ça allait pas être pour nous. Après, je me suis souvenu qu'on avait quand même plus personne sur la grette. Patrouille devant toi. Parking, parking. Ah. Elle a été gênée par la situation. Gênés, hein. Les deux sont derrière toi. Hein. 200 mètres, je dirais. Les deux se suivent de près. Oh. Ils s'attendaient pas que t'ailles tout droit. Une mauvaise sortie du village. Ça remonte petit à petit quand même. T'as à peine vu du poil. T'as que celle-là pour l'instant. La deuxième est vraiment très loin. Chier sa sortie, il perd du temps. Le deuxième est en train de remonter petit à petit d'ailleurs. À nouveau les deux collés. On va bien? Oui, oui, ça va. Ouais. On est sorti du virage très large les deux. Cette distance constante les deux. Il a pris l'autre voie. Autant le SPD était un peu à la ramasse, autant le SPD. Ouais, il y en a un des deux et qu'on libère. Hein. Fais gaffe, il y a la deuxième, elle était pas chère, je sais pas où elle va récupérer. Il a un peu tapé à la sortie de son virage, mais il a continué celui qui est derrière. Oh, il a fait un face-à-face avec une voiture. On a l'SPD derrière nous, mais il décolle pas, tu vois. Personne n'a plus. Faut vraiment que tu bouges de la zone, il y a le radar. Ouais. Et quoi? Je disais bouge vraiment de la zone parce qu'il y avait le radar dans la montée. Donc il sait que t'es monté. Non, je vais refaire le radar. Ah ouais? Il semblait que le radar était sur cette montée. Non, non. RAS. Il manque des trucs, il manque objets volés. Vas-y, je suis là, si tu veux. Il y a des trucs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je pense que tout ce qui est filet de poulet, pommes de terre, tout ça, on pourra pas l'avoir. C'est comme avant, comme juste les trucs qu'ils fabriquent, pas ce qu'ils importent. On pourrait choper une cargaison d'importation, quoi. Ouais, donc tout ce que. Bah, ça, c'est ce qu'ils ramassent dans leur champ, hein, les pommes de terre. Ouais, bah, ce qu'ils récoltent, on le revend pas, par contre, ouais, enfin. Hop là. On pourrait récolter à leur place, et trucs comme ça. Ouais, je pense que. Ok.
Ah merde, j'étais en train d'enlever la voiture. C'est bon. Yo-Kim. Et bonsoir. Et Yo-Kim. Yo soirée. Il y avait autre chose, mais je sais plus quoi. Parce que tu vois, on a du thon et du pétrole à tester. Et je pense que c'est pareil, tu vois, le thon, ça, je pense que c'est directement de la pêche de Glingling. Je pense pas qu'on puisse les vendre. Non, par contre, il y avait les conserves de morue, par exemple, tu vois. Les conserves de morue, on pouvait les vendre, j'ai testé. Ok. Donc c'est ça, à chaque fois, c'est ce qu'ils fabriquent, mais pas ce qu'ils récoltent, en fait. Ouais, j'ai l'impression. Par contre, ce qui est sûr, mais c'est surtout, que la base. Ce qui m'intéresse, c'est, en fait, c'est, les, en fait, c'est les trucs de gang, en fait. Donc là, c'est les objets volés qui nous manquent. Parce que les pièces de. Ouais. On et peut les faire barres les au chocolat qu'on a chez Gigi. Ouais, les barres au chocolat. Ouais. Hop là. J'en étais où? Il y a trouvé du monde du coup ou pas là, hein, l'entreprise? On a vu 2-3 personnes au niveau de... Sandy Shore. Et une potentielle qui est intéressée, les deux autres on sait pas. Ok. Non, on pourra pas le vendre, mais au moins si on fait corriger le truc pour que les pillards actuels puissent le vendre. Alan, je me disais, on a que 5 radios, est-ce qu'on en achèterait pas une? Ici, il va falloir en acheter, ouais. Et on va se rapprocher de commande d'armes. Par contre, je suis persuadé qu'on avait 6, donc quelque part, je me demande s'il en manque pas une. Je me demande si le boss était pas parti avec une. Ok, ça marche. J'ai discuté un peu avec Kim du coup, si vous voulez continuer à tourner ou quoi. Ouais, ça marche. Ouais, ça marche. C'est ta VSTR, James. Ouais. Ça va? Pris ta clope là? Quelques minutes, je reviens. Ok, comme j'ai dit aux autres. Je te dérange. Tu ranges ta voiture? Ouais. Ok. Mais ça va. Ok. Et toi? Oh ouais. Attention Alan, tu parles un peu fort. Oui, non, bah je dirais à la spéciale. Hein. Comme dit Miguel, je fais ce que je veux. Hein. Juste pour te le dire. T'inquiète. J'ai envie de dire que vous êtes des cons, hein. Ça, on le sait déjà. Merci Alan, ça fait plaisir. De rien, James. Qui conduit, James? Où je conduis? Ils l'ont pris comment les autres? Bon, c'est moi qui ai lui lancé le sujet au final, y'a pas. En soi, rien de spécial, ils sont en mode CNF, enfin, la routine quoi, ils sont en mode la routine vraiment, en mode ouais, bon, on est d'accord avec toi, on va tous te suivre, ça va aller, mais enfin. Ils ont pas compris dans le message, c'est que ça demande du changement en fait quoi. Oui. On a causé, c'est déjà un bon point s'il y en a pas un qui pense à faire un putsch. Bon après je pense pas qu'il te le dira non plus. Ouais, il serait déjà plus là. Chris m'a parlé. Ouais. En me disant qu'il réaffirmait sa loyauté à la mano. Ok. N'importe qui dirige. Et que même si ça n'a pas toujours été le cas, que la mano soit au-dessus de tout, il me le réaffirmait. Bah moi Chris il fait partie des personnes qui vont devoir un peu changer si veut que ça se passe bien parce que là ça va aller moyen. En gros moi ce que je leur ai dit c'est que déjà on avait discuté, il y avait des choses à changer. Je leur ai dit qu'il y avait 3 points. En gros moi ce que j'aurais qu'on voit. Déjà, il y a les prospects. Ça fait un moment qu'ils le sont. Savoir ce qu'on va en faire. Il y a.
aujourd'hui l'orientation qu'on veut donner à Mano, notamment avec notre spé. Aujourd'hui on a pillard, mais on n'est pas des pillards. Non, clairement pas. Donc à voir aujourd'hui... Tu voudrais potentiellement en changer ? En fait qu'on prenne la... Enfin, si on... Moi je m'en fous, si je veux bien qu'on reste pillard, j'en ai rien à foutre. Par contre on se comporte en pillard, c'est-à-dire qu'on a... De... Là tout à l'heure, généralement, vous voulez faire quoi ? Il y en a qui me disent bah, je vais aller chercher des PM, et l'autre qui me dit je vais faire dessus. Bah d'accord, mais ça c'est du recel, c'est pas pillard. On est bien d'accord. Donc si on veut donner un sens, et moi je pense que de toute façon la Mano est plus receleur que pillard aujourd'hui, mais bah, dans ce cas-là on prend recel. Et puis on avance dans le sens du bis qu'on me donne, quoi, parce qu'au bout d'un moment, madame Hill, si on prend pillard et qu'on fait pas les pillards, ça va pas lui plaire, quoi. On est bien d'accord, on est beaucoup plus des marchandeurs de PM et gestion de PM qu'autre chose. Oui, mais c'est sûr, puis on a plein de mecs qui adorent faire des sucs, machin et tout. Je pense que Miguel voulait tester pillard par rapport au fait qu'on puisse tout racheter et tout, mais au final... Moi j'aurais dit, moi je veux bien faire pillard, par contre ça veut dire que on se fout dans des buissons, on quête des livraisons, on chope des camions, et par contre l'après-midi quand les mecs se retrouvent à deux, faut aussi qu'ils se fassent paniquer, donc va falloir du monde pour les couvrir, quoi. Oui. Aujourd'hui, est-ce que la Mano est faite pour ça, je suis pas sûr. Donc il y a ça, et le point le plus important, c'est que j'aurais demandé tous se positionner par rapport au dernier paragraphe de Miguel, à savoir la belle porte de sortie qu'il leur offre tous, hein. Mm-hmm. Et je leur ai dit qu'on en discuterait en début de semaine, je pense qu'on les verra un par un, voir un peu leur état d'esprit, ce qu'ils veulent faire. Merci, donc ça de me parler, Chris, ok. Hein ? Non, parce que j'ai dit que sûrement tu voudrais faire une réunion au moment pour en parler, justement, il m'a dit ouais, sûrement demain. Ouais, on verra ça, là, demain, ouais, voir quand il y a du monde. Et oui, on en parlera tous ensemble, mais là, de toute façon, il y avait quasiment tous les membres, il manquait juste Zach et Hannibal. Mais là, moi, ils sont tous en mode oui, sauf que, moi, je veux plus d'investissement, quoi. Pas que des paroles. Un gop, on le voit deux fois par semaine, ça ne va pas. Hannibal, là, il est pas là, mais c'est le sujet. Alexis, il vient de 21h à 23h en ce moment. Si les mecs, ils veulent pas prendre la porte, parce que je leur ai dit, la porte de sortie, si vous la prenez pas là, ce sera une balle, quoi. Et j'aurais dit, hors de question, que Miguel revienne et qu'il n'y a rien qui ait changé. Et pour moi, ça passe par... c'est par bouger les pions à la Mano, là. Hannibal, j'ai beau lui devoir beaucoup de choses et énormément l'apprécier. Je pense qu'à un moment donné, là, il a peut-être une porte de sortie pour lui, peut-être qu'il apprend quoi. On est d'accord. Je pense que les mots de Miguel sont assez clairs. Sur le fait de Mano qui innove et qui bluffe. Et autres. Mano qui se bouge. Et pas dans l'attente. Et une Mano présente. Voilà, pour ça on a besoin des mecs qui soient là. Pas que là, le soir à 21h, quand Miguel est là pour lancer un truc. On est d'accord. Et d'ailleurs, je leur ai dit que c'était hors de question de la retrouver en rond à attendre que je leur dise quoi faire. Moi, je sais pas ce qu'ils font, par exemple. Ils attendent peut-être quelqu'un. Et je sais pas du tout. Mais ils arrêtent d'attendre qu'on leur dise quoi faire, que les vases assez grands. Enfin, ouais, voilà. Elle porte plus la tenue, Jade ? Si, mais là, en fait, je leur ai laissé, mais ça fait un moment. Je leur ai dit que pour bosser, ils peuvent prendre des tenues détente tant qu'ils étaient aux couleurs. Ok. Par contre, je veux pas la voir en rendez-vous avec cette tenue-là. Mais ça, je lui dirai, t'inquiète, je l'ai à l'œil. S'il y en a un que je vois qui est pas en tenue à un rendez-vous, ça va pas bien se passer. Donc, du coup, quand ils travaillent, ils peuvent mettre des tenues tranquillement aux couleurs, mais voilà. Sur les rendez-vous, genre PM et groupe, c'est aux couleurs. Enfin, la tenue en tout cas. Quand on fait le tequila, quand on va à un événement, quand on veut montrer la Mano, on est aux tenues. Dès qu'on est visible du public, quoi. Ouais. Après, par contre, je veux pas de tenue verte, machin, bidule. Enfin, mais ça fait un moment que j'aurais dit, parce que toi, Zach, il arrête pas de te faire chier, il veut tout le temps mettre ses tenues, machin et tout. Et enfin, j'ai pas envie de l'obliger d'être en Santiago en chapeau tout le temps. Du coup, j'ai dit tant que t'es aux couleurs, je m'en fous. Par contre, l'autre jour, il a sorti le blouson, la veste originelle de la Mano, et là, je lui ai dit, ça va poser problème. Cette veste, on la pose sur la vraie tenue ou pas. Mais. Il l'a connu cette veste ? Bah lui non, et je pense qu'il l'a pas fait exprès du coup. Ok. Et même si tu connais mon désarroi vis-à-vis de cette veste là, bah, c'est qu'elle représente beaucoup à la Mano. Ah, oui, c'est ce que je lui dis, je fais ça, je me... C'est bien que tu l'aies sur toi, mais le fait que tu la sortes de la tenue originale, ça peut poser problème à certaines personnes. Et... Je pense qu'il a compris, sachant que je leur laisse quand même pas mal de liberté sur les tenues. En fait, toi, ça me dérange pas. T'as regardé d'autres groupes, y'a personne qui est habillé pareil. Ah oui, juste non. Quand on voit au tequila là, machin et tout, ou un rendez-vous, bah là, on met la tenue. Quoi. Mais ça les a pas plus fait tiquer que ça.
Ouais, non, là, c'était autour de moi. C'est moi qui l'ai réparé du message. Il n'y a personne qui a... Qui a demandé confirmation que j'étais numéro 1. J'ai, ça me paraît clair dans le message. Et Ouais, non, ils avaient... En fait, après, il y a un monde... Enfin, ils ont l'habitude. Je suis souvent là pour remplacer mes blagues. Et je pense qu'ils ne voient pas la différence qu'il peut y avoir là. En fait, ils vont s'en rendre compte avec mon changement de comportement, mais... Là, actuellement, ils voient pas la différence que ça va apporter. Et pourtant, la différence, elle est simple, Alan. Un matin, tu te lèves et que leur tête te plaît pas, tu leur mets une balle. C'est ce que j'aurais dit. J'aurais dit... C'est pour ça que j'ai bien insisté sur le dernier paragraphe. Je fais la porte de sortie, c'est bien le moment de la prendre, parce que... Autrement, ce sera la façon, la balle, qu'il arrive. Après, ils ont peut-être besoin d'avoir le temps de digérer aussi. C'est pour ça que j'ai pas voulu en parler directement. Je sais même pas, je pense que demain, s'il y a du monde, ce sera un point global. Et après, si on leur en parlera individuellement demain ou mardi, on verra. Après, je vais aller voir un parent. C'est comme tu le sens, faut mieux aller voir un parent avant d'en parler en global. Sinon, tu vas avoir les mêmes sons de cloche. Les gens vont se ranger derrière telle ou telle personne. En fait, au global, je vais juste leur dire ce que j'ai dit là. C'est-à-dire que je demande à tout le monde de réfléchir. Sur les trois, la partie prospect, sur la partie biz et sur leur envie de continuer ou pas la mano. Et après, en individuel, je vais les voir juste pour s'ils veulent partir ou pas. Tu penses que certains diront oui? J'espère. Parce que si ça dit pas oui, je serai obligé d'en buter. Je pourrais pas garder tout le monde. J'espère pour qui? J'espère au moins pour Hannibal et Agrop aujourd'hui. Ou soit ils changent de comportement et c'est amélioré son présent. Hein. Mais à l'heure actuelle, Hannibal et Agrop, on va pas les garder. Hein. Ah, je suis désolé, mais parce que t'en penses, hein, mais moi c'est un problème. Hein. Hannibal il vient, il se lève, il prend sa moto, il va faire ses conteneurs tout seul, il va se coucher. Oui, non, mais oui, là-dessus, je peux pas te le retirer, oui. Là-dessus, je peux pas te le retirer. Là, actuellement, si on prend les faits, Hannibal, on le voit peu. Après, quand il est là, il est proactif. Ah, mais puis j'ai une totale confiance en lui. Enfin, je serai jamais où j'en suis sans lui. C'est... Maintenant, est-ce que je dois m'arrêter sur mes sentiments perso pour diriger la mano? Je crois pas. Non. Tu sais ce que ça implique d'être numéro 1, Alan. Miguel nous l'a déjà assez dit. Toutes les décisions, on les prend pas par gaieté de cœur. Et, ouais. Et d'ailleurs, j'ai deux personnes aujourd'hui qui sont pour moi un peu en retrait. C'est Alexis qui est de plus en plus invisible. On voit quasiment plus et tout. Maintenant, je me dis que ça peut évoluer. C'est vrai que j'ai besoin de parler avec lui. Il y a crise, on attend beaucoup plus, mais j'ai l'impression que dès qu'on lui met un peu de. Dès qu'on met un peu de confiance en lui, il fait des conneries direct, toi. En fait, il faut qu'il ait un cadre. Le problème, c'est qu'est-ce que tu donnes un cadre à une personne qui est là depuis plus d'un an? Elle a un peu autre chose à foutre, quoi. Le cadre, tu le donnes quand les gens sont prospects. Les limites, tu les définis à ce moment-là. Notamment avec Rossé l'autre coup, j'ai dit que non, à un moment-là, faut. Là, ça sert à rien d'aller y aller, foncer tête baissée. Parce qu'il est encore prospect, ça me paraît logique. Après, il y a un moment où j'ai une bonne surprise. Hein. T'as tout le monde qui réagit bien au Discord de Miguel et puis qui sera actif, tu vois. J'y crois peu. Sur une journée, tu pourras pas le voir. Pour avoir une sur une semaine. Ouais, sauf que la porte de sortie, elle est pas dans une semaine. Ça va être maintenant. Je sais. Et la prochaine, là-dessus, il n'y a vraiment aucun remords à descendre le mec qui ne suit pas et qui tire le groupe vers le bas. Hein. On verra. Mais pour le coup, je pense que même pour eux, c'est un bon moyen de se remettre en question, de prendre la décision. Moi, je peux comprendre qu'il y en a qui ont du mal et que...
tout en sachant qu'il pouvait pas, enfin qu'il pouvait que partir les pieds devant, qu'il soit perdu et qu'il ne sait pas quoi faire. Là, Miguel leur ouvre une belle porte qu'on n'a pas ouverte depuis très longtemps. Surtout que vous le disiez, vous ne la rouvrez plus cette porte-là. Donc, je dis que c'est, ils vont peut-être saisir la chance, on verra. Et puis si ben, les 12 y restent, ben, il va falloir sacrément que ça change. Bon, ça va pas aller. Et après, il y a le cas des deux prospects aussi. Rossé, pour le coup, on rappelle du discours qu'avait tenu Jade, il me semble, à l'époque. Et pour avoir été avec lui, avoir été braqué avec lui et James l'autre coup, je trouve qu'il est toujours fort de proposition. Il veut toujours, tu sens toujours qu'il court après le danger un peu ou autre. Mais il commence à comprendre ce que c'est de façon intelligente. Et je pense qu'il fera un bon élément dans la famille. Evan, il est trop... Il fait trop de la gestion de fond. On n'a pas besoin de gestion de fond. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Ouais, il apporte pas grand chose, mais il est présent, il fait ce qu'on lui dit, mais ouais, c'est... Alors après, moi, la question que j'ai, c'est est-ce que les prospects bénéficient de la porte de sortie ou pas ? Parce que c'est bizarre de laisser partir. Les gens qui en savent beaucoup sur Amano. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est surtout que Prospect, c'est Radar Day, hein. Ça a toujours été ça. Hein. Qui est la porte de sortie ou pas, Alan? Je veux dire, par exemple, le choix, tu aurais dû le faire hier. Et tu en le prends ou il meurt. Et je pense pas que pour les prospects, la porte de sortie de Miguel soit valable. Ouais, je sais pas. Je peux me tromper, hein. Mais je pense pas. Après, tu vas me dire que le contrat éclaire aussi, quand on devient Mano, la porte de sortie, ouais, elle éclaire aussi, et là, elle change. Enfin, elle change, pour un court délai, mais... Aujourd'hui, qu'on laisse partir un membre ou un prospect, on laisse partir la même information. On aura peut-être plus confiance entre un membre qu'un prospect, et encore quand ils sont plus là... Et encore un membre pourrait partir en vendetta, quand même. Après, tout le monde a la mémoire. Sur Rocher, tout le monde a l'air d'être assez d'accord. Il évolue bien, machin et tout. Et sur Evan, tout le monde est en train de dire, bon, il sert pas à grand chose, mais là, il est là. Et ça me fait chier d'avoir. Enfin, c'est pas ce qui m'intéresse, en fait. J'ai pas besoin de gens qui servent pas à grand chose, qui sont juste bien parce qu'ils sont là, tu vois. Bah oui, non. Ça fait un peu, bah, y avait que ça, on a pris que ça, tu vois. Ouais, c'est carrément ça, ouais. Alors que si on prend quelqu'un pour élever la famille, surtout là, qui a besoin de faire des changements, on n'a pas besoin forcément de quelqu'un qui est là juste parce qu'il est là. Après, on pose toujours la même question. Est-ce qu'il mérite de crever pour ça? C'est toujours la même question, mais le contrat, il est clair dès le début. Tu ne fais pas l'affaire, tu meurs. Tu sais que ça va être compliqué pour moi, genre de décision, Alan. Moi, je la prendrai, t'inquiète. J'ai juste besoin de vos avis. Je sais pas. Du coup, dans la semaine, j'aimerais qu'on avance vraiment sur ce sujet. Le biche, je pense que ça va pas être très compliqué. Mon point de vue, il est assez radical, mais maintenant, j'ai l'avis de tout le monde et tout pour être sûr. Mais pour moi, on est des rustleurs, on n'est pas des pillards. Oui, totalement. Pour le coup, il n'y a qu'à regarder notre emploi du temps habituel. Hein. Ils auront la réponse assez facilement, je pense. Puis de toute façon, là, si on passe de niveau, on n'y gagne rien, hein, pire. De quoi ? Tu parles de quoi ? Je voulais juste revoir les possibilités de pire. Mais pire, non, rien du tout. Non, en fait, c'est même pas une question des possibilités ou quoi, c'est juste de la mentalité. Aujourd'hui, si on veut rester pire et si on veut que ça se passe bien avec Madame Hill, il va falloir qu'on ait vraiment la mentalité de pire. C'est-à-dire qu'on arrête d'aller faire des sucs machin et qu'on se mette à traquer du convoi. Tout le temps.
Les traqués du convoi, c'est aussi le retour de bâton où faut que tout le monde assume. Et assumer l'après-midi quand il n'y a pas grand monde, c'est compliqué. Oui. Puis hier, ça n'a pas marché que le soir quand on est liste, tu vois. Non. Et aujourd'hui, mettre les gars à traquer des convois et tout, je pense qu'au bout d'un moment, ils vont se faire chier. Alors que le recel d'objets concerne les sup et les bijouteries, ça, je pense que ça nous correspond beaucoup plus, tu vois. Oui, et puis ils auront de la nouveauté. Rappelle-toi, quand on était convoyeur, vol de voleur de voiture, ça les motivait d'avoir quelque chose en plus à découvrir. Et en plus, c'est leur enfin, entre guillemets, leur quotidien. Sup et PM. Donc peut-être que ça leur donnera envie de justement se bouger. Oui, non, mais c'est my bad, madame Miller. My bad. Putain, de loin, je croyais que quelqu'un avait mis un aileron sur ma voiture, j'allais gueuler. En vrai, je pense qu'il manque pas grand chose, faut juste. Juste voir les 2-3 là qu'on peut y avoir 3 motifs. Je vais me coucher, je serai là demain. Ça roule, ça demain marche. Chris, bonne nuit. Bonne nuit Chris. À demain Kim, à demain Alan. À demain. Faut juste voir les 2-3 qu'on peut pas trop la motive. Je demande même pas aux gens d'être présents matin, après-midi, soir, machin, mais je m'en bats les couilles. C'est juste des gens qui sont vraiment motivés pour faire avancer la famille. Des gens qu'on voit 2 fois par semaine. Tu vois, le fait qu'Hannibal il y ait moins de temps et tout, je m'en fous. Hannibal, il a toujours beaucoup apporté. Il a toujours été important dans la famille. J'ai juste besoin de savoir s'il est motivé demain ou pas pour y aller avec nous, quoi. Je veux pas un mec qui se lève, qui prend sa moto, qui va faire 3 containers et qui va se coucher, quoi. Oui, bien d'accord. Si lui est prêt à nous suivre et à donner ce qu'il faut donner, je serais le plus heureux à savoir qu'Hannibal il reste avec nous, quoi. Ce sera certainement même une pièce maîtresse de la mano, je pense, demain. Hannibal, il serait là régulièrement, ce serait mon point d'appui tout le temps, en fait. Comme ça l'a été, par exemple, quand on a géré le Capoti. Moi, si je peux avoir Hannibal tous les jours à mes côtés, ce serait certainement plus simple. Sauf qu'aujourd'hui, il faut qu'il nous remonte qu'il est motivé. Chris, peut-être que ça va lui faire du bien aussi, tu vois, on va voir. Par contre, il va falloir cadrer le truc et il va falloir qu'il apporte plus. Chris, ça fait très longtemps qu'il est là. Il attend beaucoup plus de lignes. Alexis, c'est une histoire de motivation. Il faut le réveiller, mais en fait, c'est tous pareil, en fait. Ils ont tous la possibilité. Par contre, il faut qu'ils nous disent oui, j'ai envie et qu'ils le fassent vraiment, quoi. S'ils n'ont pas envie, ou s'ils nous disent oui et qu'ils le font pas, ça va vraiment mal se passer, quoi. S'ils n'ont pas envie, ils se cassent. Et si on se rend compte qu'ils le font pas au final alors qu'ils ont dit oui, on sera obligé de les enterrer quand même. Bah, je préfère une personne qui me dit en ce moment j'ai une baisse de motivation, je suis pas fou, j'ai besoin de temps ou autre, plutôt qu'une personne qui au final va dire oui, je vais me motiver, qui se motivera pas sur le long terme. Mais c'est ce qui m'a fait un peu peur tout à l'heure quand j'en ai parlé, ils étaient tous là oui, pas de problème, machin, on suit et tout. Oui, on suit, mais faut comprendre qu'il y a des choses à changer quoi. Là, je les vois bien hein, pendant les prochains jours avec l'effet d'annonce de bouger le cul, puis après que ça redescende. Oui. Après, ce qu'il faut qu'ils comprennent aussi, c'est qu'il y a des moments où ils se font chier, machin et tout. Bah, ils sont pas censés nous attendre pour aller braquer un convoi G6, aller faire une banque, un truc comme ça. Genre, on voudrait jamais de se planter sur une banque, quoi. Au pire, ils vont apprendre, et puis voilà, quoi. Je crois qu'ils vont peut-être baisser au suicide non plus. Oui, voilà, mais il faut le faire intelligemment. Et je pense que pour la plupart, ils en ont déjà vu assez pour savoir ce qui peut être fait de façon intelligente ou pas. Hein. Après, je pense à Gop, là, il nous avait dit qu'après ses problèmes et tout, il allait être plus là et tout, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qu'à changer, tu vois. Et à Gop, il n'arrive pas à prendre de l'envergure dans la main. Pour moi, à Gop, c'est un peu un Milo. Ouais, c'est ça.
Et c'est ce que j'ai peur que ce soit la même chose qu'Evan en fait, tu vois. On le garde parce qu'il est là. On le garde parce qu'il est là, ouais, c'est exactement ça. Un beau petit saut de cabri par contre. Es-tu seul, John? Merci. Ouais, Chris est parti se coucher. Et mon casque dans la voiture, on a dû appeler les pompiers, Intou est parti se coucher. Ah oui, d'accord. C'était super sympa, j'ai kiffé. Vas-y, à toutes. À toutes. T'as dit pour les échanges qu'il avait avec Héloïse? Ouais, il m'a dit qu'il avait vu deux fois et qu'il se parlait, quoi. Mais moi je lui ai dit, me fais pas une crise. Non, ouais, c'est un petit peu compliqué. Il m'en avait parlé, je l'ai autorisé, mais en lui demandant de faire très attention parce qu'elle est maligne. Je lui ai demandé de me tenir au courant si la relation allait plus loin. La majorité des appels qu'elle nous passe, Flynn, c'est pour avoir des infos. Hein? La majorité des appels qu'elle nous passe, Flynn, c'est pour avoir des infos. Mais bien sûr, bah, c'est une journaliste. Même si elle le demande pas de plein fouet, tu vois très bien derrière ce qu'elle cherche. Ouais, je sais pas, ça va faire attention à ça. Après, James, il est. Enfin, il en parle pour le coup. Je suis assez confiant. James, Zach, je suis assez confiant. Jade, plus qu'elle arrive à rester à sa place, mais le fait que. Que Miguel t'ait mis en numéro 2, je pense que ça va la calmer un petit peu déjà. C'est à voir. C'est juste que je veux plus entendre et voir ce que j'ai vu sur le parking du Bénis ou ce que j'ai pu voir une fois avec Chris. Mais, de toute façon, aujourd'hui, maintenant, tu m'es attaqué. Hein. Oui, je sais. Faut que je me fasse à cette idée-là, oui. Ça, à partir du moment où t'es là, ils n'ont pas à le faire devant... Ils n'ont pas à le faire à ta place, en tout cas. Voilà. Pas manuel ou pas de numéro 2, Alan? Non. Alors, autant te dire que moi, t'en as pas écrit un pendant ces longs mois. Quand je suis arrivé, j'avais rien du tout à faire à cette position-là. Aujourd'hui, je me retrouve numéro 1. Alors, autant te dire que. Nickel. On aurait pu écrire tes mémoires quand même. En fait, je pense que le plus important, c'est de rester soi-même. Et après, les choses, ça va s'apprendre petit à petit. En fait, faut pas essayer de. Moi, j'ai fait très attention au début à pas être Pablo, tu vois. Ouais. Je pense qu'il faut rester soi-même et après c'est une garderie à diriger. Hein. Ça pour le coup, en étant maman Kim, j'ai l'habitude. J'ai eu savoir leur faire comprendre que des fois il y a des choses qui sont pas. Par contre, ce qu'on peut pas enlever à Jade, c'est qu'elle gère toute une partie du truc. Hein. Déjà, elle est toute seule l'après-midi, donc elle est obligée de gérer des trucs maintenant, elle doit gérer par rapport à ce que nous on lui a dit, enfin gérer. Déjà, elle a aucune raison de gérer toute seule, donc moi j'ai là tout à l'heure j'avais parti de la tâche sur Zach, toi. Et après, il se gère l'après-midi, par contre il doit gérer par rapport à ce qu'on leur dit, elle doit lui rendre des comptes à nous. Et il n'y a aucune raison d'être... chef de quelqu'un d'autre. Ils sont tous membres, sont tous capables de... Aujourd'hui, dans l'après-midi, il y a Zach et Jade. Et les deux sont capables de prendre des trucs. Quoi. Oui. Tu vois, par exemple, au côté de James et Zach, bon, James sait très bien à quel point je le voulais pas, moi, au début. Mais ça fait du bien, là, maintenant. Soit autant sur le côté proactif des deux. Les infos que James lui partage, comparé à Mike. Et même sur leur brin de légèreté quand il y a besoin. Et en fait, je pense que maintenant, on a besoin des gens qui ajoutent quelque chose à la mano, qui apportent quelque chose. Oui, mais c'est ça. Les gens qui créent, comme le dit Miguel. Parce qu'on peut pas, de toute façon, c'est impossible d'être partout. Et c'est pas forcément nous proposer un plan de bande tous les 3 jours. Non, mais juste, enfin, les mecs, tu vois là, par exemple, moi, les mecs là, les mecs qui sont en boucle et tout là,
À un moment donné, il y en a deux qui se lèvent, bah ils vont faire dessus, puis il y en a d'autres qui se lèvent, ils vont faire un autre truc, ouais, je m'en bats les couilles, ce qu'ils vont faire, ils vont voir les PM, ils ont pas besoin d'attendre qu'on leur dise, ah bah c'est bon là, on est tous là, bah. Et si on a besoin d'aller faire une banque, et eh ben on va appeler tout le monde, et puis on met un message sur Atra, à la mano, bang, bang, bim. Et chantera le disquette. Mais c'est ça, faut que les gens ils soient autonomes, ils bougent, et puis à un moment donné, il y a une opportunité de faire un truc intelligent, bah ils y vont, ils n'ont pas besoin. Alors, quand je parle d'un truc intelligent, c'est pas aller braquer les flics quand tu sors des gardes à vue, tu vois, typiquement Rocher et Chris. Parce que là, par contre. Oui. Ah, je pense que ça pourrait se finir plus mal que si c'est fini par le passé. Hein. Ça, par exemple, Chris devrait dire non de lui-même. Bah, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. J'avais pas vu l'heure, bordel. Oui, pour ça que quand ils m'ont ramené à l'hôpital, j'ai dit de toute façon, j'allais pas tarder. De toute façon, peu importe qui est là demain, je referai un speech demain. Je pense que dans l'idéal, demain, on prend une décision sur le biz. Mm-hmm. Il y a du monde. Les prospects, j'aimerais bien les gérer dans la semaine. Mm-hmm. Sachant que je pense qu'on sera assez d'accord sur Rosset. Il y a le cas Evan qui va être. Être plus délicat. À la limite, ce qu'on fait demain soir, on fait le truc où on voit leur motivation. Quelqu'un a une décision à prendre ou autre. Et mardi ou mercredi, on. Ah putain, il est pas là, Chris. Non, on verra. Mardi ou mercredi, mais mardi ou mercredi, on voit pas les prospects. Non, mais mardi, on peut commencer à voir les gens individuellement. Et On verra, mardi on peut commencer à voir les gens du nom. De toute façon, Chris t'en a parlé, je pense qu'il a déjà dans sa tête, c'est déjà assez calé quoi. On connaît déjà la réponse de Chris en fait. Je pense que. Il m'a dit qu'ils en avaient parlé, il voulait m'en parler à moi. Je pense qu'il a peur, Chris. Pour avoir besoin de. Réaffirmer en fait. Je pense qu'il a l'impression que ses erreurs du passé peuvent être porter préjudice. Bah ouais. Et qu'il a besoin de réaffirmer que même si ça n'a pas toujours été le cas, la mano est passée au-dessus dans son esprit. Et en soi, n'est pas une mauvaise chose. Mais s'il nous refait une petite. Je poserai le tout moi-même, Alan. Ouais, ça. Pour l'instant, je pense qu'on est encore là. C'est pas une fille, déjà, c'est bien. Oui, oh, tu sais pas ce qu'il m'a fait, le doc, d'ailleurs. Il finit ma visite de contrôle. Il me fait ça va en ce moment, la mano, y a pas de tension. Avec d'autres groupes. Je lui fais, mais ça, faut voir ça avec les flics. Il fait, bah oui, mais vu qu'ils nous tiennent limite au courant de rien, bah quand ça pète, bah, on est dépourvus. Pas le bassin. Je suis en mode, mais oui, c'est avec les flics. Tu veux que les docs ils se regardent là-dedans hein. Pourquoi tu veux que les flics le tiennent au courant? Bah, si jamais, imaginons là, quand il y a eu la couille avec les. C'est, si jamais ils ont en bruit de rue que, bah là, imaginons les masses à attaquer les sentinelles qui disent aux flics, enfin aux podocs le soir, peut-être, bah écoutez, il y a moyen que ça pète, donc soyez sur le qui-vive, tu vois. Pas pris au dépourvu, mais. Ouais. Je vais pas leur tenir non plus au doc un calendrier de nous. Bah, aujourd'hui, écoutez, il fait beau, il fait 25 degrés, je me sens de bonne humeur. Bah, non. Ce qui est intéressant, c'est aux flics de voir ce panneau. Alors, j'ai vu que ça avait encore pété avec Zastekas aussi sur le réseau. Ouais, je sais pas trop si c'est passionnant. Après, donc, il aura tenté de se balader avec des AK pour bouger 200 sacs. Ouais, bon, moi, le truc qui me chagrine un peu, c'est Kaivan, parce que toi, autant aller mettre une balle à un mec qui fait de la merde, c'est facile, autant quelqu'un qui fait rien. Bah, c'est ça le souci en fait. Ouais. Mais tu lui dire, bah, mec, tu corresponds pas à la mano. Mais parce que pour le coup, il nous a pas fait une Neru. Mais ouais. Et pas non plus une Elana. J'attends d'avoir l'avis de tout le monde, mais je pense que le cas va pas être simple à gérer.
Je pense que le cas serait plus simple à gérer si on savait si la porte de sortie était pour les prospects aussi ou pas. Ouais, ça, après, je peux le demander à Miguel, au pire, c'est pas un problème, mais ouais, je sais pas. Tu vois, les gens seraient peut-être plus aptes à dire, bah. En soi, ils ne met pas de bâton dans les roues, mais. Pas non plus un champion s'ils savent que potentiellement il peut se barrer en vie, tu vois. Evan est souvent dans l'après-midi aussi, non? Ouais, mais je. Enfin. Même si on a un besoin de présence, je peux pas prendre la décision sur la présence des gens. C'est des profils qu'on a. Enfin, toi, ça a toujours été le même sujet en fait. On a besoin de monde de la journée, mais on lui faut des profils utiles, quoi. Et je sais pas, je vais voir ce que tout le monde en dit. De toute façon, on va en discuter un peu avec tout le monde. On verra, mais. Oui, moi, le ressenti que j'ai pour l'instant de tout ce que j'en ai parlé, c'est. Bah, il fait pas de vagues, on tire pas, on le voit pas trop, mais voilà, et au moins il est là. Ouais, mais... ouais, un gop, quoi. Pour le coup, il est plus présent qu'un gop. Oui. Après, je me dis que les gens peuvent aussi affirmer plus tard, tu vois, mais ouais. Je... ça va. Mais en tout cas, je ne vais pas qu'on les traîne trop le truc, je vais rester dans les prises de décision. Pareil, de Rosset, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que Rosset, quand il va passer membre, est-ce qu'il va pas se remettre, tu vois, il va monter d'un cran, est-ce qu'il va pas se remettre à briller? Ça, c'est dangereux aussi. Hein. Alors ça, il va falloir être très clair là-dessus, là, non? Oui, et puis ce sera beaucoup plus facile à gérer, parce qu'un mec qui fait de la merde, c'est moins difficile de lui mettre une balle qu'un mec qui fait rien. Oui, et puis... l'épée de Damoclès qu'il a en soi en tant que prospect, on l'a tous aussi, hein. Ouais. Oui, il faut la rappeler. C'est juste que lui, c'est plus, hein, si tu fais pas l'affaire, tu dégages. Nous, c'est plus si tu commences à foutre la merde et à mettre toute la famille en danger, tu dégages. Mais en soi, la finalité est la même. Pour le coup, je sais pas si. Et les limites qu'il a l'air de pouvoir se mettre et d'arriver à comprendre, il les ferait péter d'un coup en devenant membre. Ouais, c'est la question que je me pose. Après, ouais, il a l'air d'apprendre assez vite. En fait, il y a un. Il y a. Je voyais pas, je... c'est quoi qui saute dessus? En fait, ça il a pas de Karen, sans déconner. Il a. Il est un peu fou dans sa tête, mais il est pas con, tu vois. Non. Et quand tu as bien expliqué et qu'il a compris, il va essayer de te prendre par la main pour dire on va braquer, mais il ira pas de lui-même parce qu'il est pas. Il est pas con, il sait qu'il va faire une connerie. Et je pense que c'est bien d'avoir un mec comme ça dans la je... C'est tout con, hein. Mais je pense qu'il peut être le moteur pour beaucoup. Faut juste qu'il... Je vais répéter l'autre coup, assez répété, hein. Intelligemment. Pas suicidaire, intelligemment. Mais je pense qu'il peut redonner l'étincelle à beaucoup de personnes. Et il y a un autre truc d'ailleurs dont on n'a pas parlé, c'est Alexia. Alexis, il va falloir rapidement qu'il arrête de faire sa tête de con. Pourquoi? Les mecs grognons, machin et tout, qui râle sur tout. Ah, ça. Ça fort qu'il arrête, oui. Et moi, ça a déjà commencé à me tendre. Ça fait trois fois que je vois la vie en noir et rouge là, compliqué. Hein. Ah oui, c'est quelque chose. Ouais. Tu m'entends jusqu'à voulu quoi. Que ça commence à te tendre. Oui, soit tu dis clairement ce qui te fait chier, on en discute, on avance. Et tu vas pas bougonner. Mais ça, on lui en parlera quand on verra. C'est pour ça que je vais voir les gens, les duels en fait. Pour tous ces trucs là.
tous les petits trucs qui font chier, clairement leur dire, et sans qu'ils comprennent sur quoi ils doivent s'améliorer. Ça fait un peu conseil de classe, hein, mais à un moment donné... On a déjà fait une paire de fois ça. Ouais, ça fait longtemps, et là si on veut que le truc aille dans le bon sens, enfin si on dit pas aux gens ce qui va pas et ce qu'ils doivent changer, ils peuvent pas, il y en a qui vont pas forcément le devenir d'eux-mêmes quoi. Ah oui, non, là-dessus, là-dessus clairement. Et ça se trouve, il y aura d'autres problèmes qui vont soulever quand il y aura cette discussion et qui nous permettra d'avancer aussi. Hein. Qui nous permettra d'être des problèmes qu'on voit pas forcément ou autre et qui nous permettra de dire bon, bah écoute, faut rajuster ça ou ça. Ouais, alors après, je veux pas non plus qu'on arrive à. Toi, je veux pas qu'on devienne le cercle quoi. Avec des gens qui. Ah oui, non. Qui remettent en question tous les trucs et tout. Parce qu'à un moment, si on est pas content, c'est pareil, la porte de sortie, elle est forcément tout le monde quoi. Non, c'est pas forcément une question de remettre en question, mais peut-être que bah Alexis va dire bah je réagis comme ça parce que bah avant quand je disais clairement ce qui me faisait chier, bon on m'envoyait bouler tu vois. Non mais je sais très bien ce qu'il va dire. Il va dire quand je dis un truc on m'écoute pas là. Du coup j'arrête. À chaque fois c'est pareil. Et il y a Jade qui s'y met aussi par moment. De quoi ? À râler, machin et tout. Hein. Peut-être son mari qui détend sur elle. À faire sa petite gêne. Ouais, c'est possible. Ouais. Les deux aiment bien quand ça se passe selon leur manière. Selon leur vision. Mais là, c'est pas ça. Après, déjà, t'as mérité de prendre beaucoup d'initiatives, de faire avancer plein de trucs. Ça, oui, on peut pas lui enlever. Mais c'est pas pour autant que parfois on peut trop passer autre ou autre. Et notamment t'as la tenue va être un exemple. Bon mais ça roule. C'est minuit et demi, hein. Y'a qui debout là? Y'a James de l'autre côté, c'est qui? J'ai vu Jade, Alexis. Et y'a Gop, no? Ah ouais. Envoyer un message à Jade. Tu vas te coucher toi aussi? Ouais. Je vais appeler James. Tu veux te coucher toi? Ouais. Il voit avec eux si tu veux tourner avec eux ou autre. C'est comme tu veux. Mais fais attention à vous, d'accord? Bon allez, on se voit demain. Bonne nuit à toi. C'est fait! Allez, ça roule, et bien à demain! Et bonne nuit à demain, Alan! On va voir! Alors, moi qui commence à faire des échanges avec Swan là pour me dire ça va m'occuper dans mon RP, je me retrouve avec beaucoup de choses là. On se retrouve avec un peu de beaucoup de contenu d'un coup. Comment je vais faire pour la VOD là? Je crois que je vais vous faire deux temps forts. Et quoique il n'y a rien avant qu'on écoute la musique, je vais vous faire qu'un temps fort de la fin en fait. Parce qu'au début on a été vendre de la drogue et ça a pété direct. Ouais hein. On a discuté un peu du message de Miguel quand même. Regardez ça. Encore pire quand Brian sera au courant. Ouais, surtout que j'ai plus Miguel dans le tas là. Bon attendez, est-ce que Miguel il va revenir hein? Il viendra mettre sa merde à un moment. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Je peux cut le temps fort pour faire une seule VOD. Ah oui, je peux cut le milieu du truc. Ok, faut que je regarde. Il va montrer les... Ouais, en début. Ouais, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de vous cut les deux pales, que le milieu. Faut que je regarde comment on fait.
Ok, je vais regarder comment on fait ça. Bon, en tout cas, ça emmène pas mal de trucs. On va voir ce qui va... Comment ça va bouger au niveau des joueurs. On va voir. Soit ça prend la porte de sortie, soit ça... Soit ça fait évoluer le perso. En se remotivant. En fait, moi, ce que je veux juste... C'est un jeu vidéo. On joue à 12 dans la mano. Il faut que les 12 soient... Les 12 aient envie de jouer et jouent leur perso. Si les gens ont plus envie de jouer, il faut laisser ta place, c'est tout. C'est même pas une question de beaucoup présent, pas beaucoup présent, quoi. Et si on n'a plus envie de jouer, il faut laisser sa place et puis on fera rentrer du monde. Moi, je vais avoir des mecs qui ont envie de faire avancer le truc, envie de vivre la nouvelle mano, machin et tout. Je pense qu'il y en a qui sont fatigués, hein, qui n'ont juste plus envie. Et ben, à un moment, il faut juste savoir arrêter, quoi. Je pense que, voilà, on verra bien. Bon, écoutez, O'Brien et Swan, normalement, ouais. Mais faites-le pas des films, hein. Swan ne fera jamais criminel. Hein. Ils ont un problème, non, mais il n'y a pas de souci avec ça. Mais moi, le premier, moi je travaille la journée, je suis pas après-midi, mais c'est pas un problème. C'est juste que le soir, j'ai envie de jouer, j'ai envie de faire avancer la mano et je me connecte pour faire avancer le truc, quoi. Mais bon, de toute façon, on verra bien comment ils prennent le truc, parce que ça va rester en RP et on verra comment ça se passe en RP, ce qui bouge en RP. Ça s'est officialisé de quoi? Moi, j'ai prévenu la mano, ils sont au courant. Yeah. Je sais pas si Célie reste longtemps là. On pourrait aller chez Pyrim. Ouais, on discute juste, ouais. On discute juste et ça fait deux jours, on s'envoie des bisous sur nos SMS, mais c'est tout. Ah, je vous envoie chez Pyrim, ils ont un peu mangé à STK ces derniers jours là. Je vous envoie là-bas. Chris Hannibal sont sur la CD. Et le prospect aussi, Alexis, pour moi, je pense que c'est une histoire plus compliquée car Jade. Est-ce qu'ils font rester ensemble si Alexis parle de la mano? Non, là aujourd'hui, le port de sortie, c'est ça part de la mano, ça dégage de l'île. Mais je pense qu'Alexis prendra jamais la porte de sortie. Maintenant, j'ai besoin de lui faire comprendre ce qui ne va pas aujourd'hui dans sa façon d'être. Et moi, c'est comme j'ai dit, hein, si tout le monde reste et s'adapte à ce qui ne va pas, moi, ça me va très bien. Même si joueur d'Agob, j'ai des doutes qu'il puisse le faire. Mais les autres, en tout cas, je pense qu'ils sont... On verra. Voilà, bon, je vous envoie chez Pyrim. Il a été casse. Merci à tous en tout cas. Le train qu'a pas adoré, les nombreux subgifts et tout ça. Merci énormément. Merci à la modération. Je donne rendez-vous demain. Pas tôt demain. Fin d'après-midi. Des gros bisous. À demain. Ciao.